personnellement, je pêche. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous sommes ce soir réunis grâce au dynamisme de son conseiller délégué à la prévention et à la sécurité, mon collègue François Castillo. La ville de Pézenas poursuit ce soir sa politique de prévention auprès des jeunes et des publics scolaires en organisant une rencontre débat autour du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement. Le phénomène de harcèlement, quoique bien ancien, s'est transformé avec l'usage croissant des réseaux sociaux. Il fait désormais régulièrement incursion dans notre quotidien et nous interroge collectivement en tant que citoyens, parents, élèves, mais aussi en tant qu'élus et professionnels de l'éducation et de la sécurité. Ce sujet complexe sera donc traité sous différents aspects au cours de la rencontre-débat que nous vous proposons ce soir. Après une présentation du phénomène, nous aurons un temps d'échange et de questions avec les participants. J'ajoute que pour permettre au plus grand nombre de s'associer à cet événement, il est diffusé en direct sur la page Facebook de la ville de Pézenas. Les participants à l'événement en ligne pourront également poser leurs questions aux intervenants via le Facebook Live. La rencontre est animée par différents intervenants que je tiens à remercier au nom de Monsieur le maire, que je vous prie d'excuser ce soir. Sans eux, elle n'aurait pas pu avoir lieu. Afin que vous puissiez identifier chacun d'entre eux, ainsi que la structure qu'ils ou elles représentent, je vais vous les présenter. Donc, la brigade de gendarmerie de Pézenas est représentée ce soir par le capitaine Bruno Séguier, commandant de la brigade, et l'adjudant Fabrice Bermond, référent scolaire. La maison de protection des familles de l'Hérault MPF est représentée par l'adjudante chef Nathalie Fernandez, commandant la MPF, et le maréchal des logis chef Philippe Martens. L'équipe mobile académique de sécurité EMAS est représentée par M. Jean-Marc Delomeau. L'association France Victimes 34 est représentée par Mme Estelle Perrin, juriste, et Mme Laetitia Hérault, psychologue clinicienne. Et enfin, le collège Jean-Ben sera représenté par sa principale, Madame Lefebvre. Merci à eux et à l'ensemble de nos partenaires, dont le Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, CISPD, qui a permis la mise en lien avec France Victimes 34. Je vais donner donc la parole à chacun pour qu'ils puissent se présenter brièvement et présenter également leur mission. Et après, nous amorcerons la discussion sur le thème de la rencontre. Voilà. Merci, Madame la Première Adjointe. Bonsoir à toutes et à tous. On va faire en fait un premier tour de table. Chacun va se présenter à tour de rôle. Donc, je suis le capitaine Bruno Séguier. Je commande la brigade de Pézenas. J'ai sous mes ordres 32 militaires et 18 communes sur ma circonscription en termes d'ordre public, donc autant d'écoles, de collèges et de lycées. Bonjour à toutes et à tous, je suis l'adjudant Bermond à la gendarmerie de Pézenas, où j'y suis affecté depuis 12 ans. Me concernant, je suis référent scolaire, donc si vous voulez, j'ai en charge la relation qu'il y a avec les chefs des établissements scolaires, ainsi que le corps enseignant, et les élèves avec leurs parents
et on essaye de leur apporter une réponse des plus favorables. Bonsoir, moi je suis l'adjoint-chef Fernandez, je commande la maison de protection des familles. C'est peut-être un nom qui ne vous parle pas vraiment. En fait, on s'appelait avant la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Donc, notre unité mène des actions de prévention sur l'ensemble du département de l'Hérault. Donc, nous sommes situés à Lunel, mais nous intervenons sur l'ensemble du département. Nous intervenons donc de la primaire au collège, au lycée, mais également en dehors des établissements scolaires, dans les structures, foyers, centres de loisirs, puisqu'on est déjà venu à Pézenas, ce centre de loisirs. Voilà, partout en fait où il y a des jeunes. Nos actions de prévention portent bien sûr sur le harcèlement, le cyberharcèlement, les risques du numérique, les addictions également. Voilà, tout un ensemble de thématiques se rapportant aux mineurs. Nos missions sont aussi élargies puisque nous intervenons auprès des adultes, c'est-à-dire auprès dans le cadre de la sensibilisation de professionnels qui travaillent au contact des jeunes, mais aussi en dehors. Et puis, en fait, on fait aussi des actions pour les adultes, pour les seniors et autres sur les thématiques des violences intrafamiliales. Voilà. Et puis, accessoirement, on a quelques actions de judiciaire, puisque nous sommes chargés d'entendre des mineurs victimes de violences sexuelles. Bonsoir, moi je suis le chef Martins de la Maison de protection des familles, et je suis en poste depuis 16 ans. Donc voilà, on travaille effectivement sur tout le département de l'Hérault, et nous ne sommes que 6 militaires pour couvrir toute cette zone de gendarmerie. Donc nous avons beaucoup de sollicitations de la part des établissements scolaires et des différentes structures qui accueillent les mineurs. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, donc Jean-Marc Delomeau, je travaille au rectorat de l'Académie de Montpellier dans un service qu'on appelle équipe mobile Académie de sécurité. À la tête de ce service, il y a le conseiller sécurité auprès de la rectrice de l'Académie. Moi, j'en suis son adjoint. Donc c'est un service d'aide, d'accompagnement et de conseil auprès des écoles et des établissements de l'Académie Montpellier pour toutes les questions relatives à la sécurité en milieu scolaire et aux préventions des violences en milieu scolaire. Et dans le cas notamment du harcèlement, on est amené soit à participer au traitement des situations de harcèlement quand c'est avéré, mais aussi dans le cas de la prévention, à mener des actions de sensibilisation auprès des classes d'élèves sur ce sujet-là. Bonsoir, donc je me représente Nathalie Lefebvre, donc je suis la principale du collège Jean Ben. Donc le collège Jean Ben, c'est 660 élèves et en gros une centaine de personnels qui œuvrent autour des élèves pour créer les conditions optimales pour qu'ils puissent apprendre, parce que c'est quand même l'objet du collège et de l'école, dans les conditions les plus favorables possibles. Donc c'est ce qui est aussi le plus important. Et mon rôle, c'est de coordonner l'ensemble des actions des uns et des autres et d'intervenir également dans l'évaluation des situations de violence, de mal-être, s'il y en a, et de pouvoir mobiliser les acteurs externes, mais aussi internes au sein de l'établissement pour prendre en charge les souffrances des uns et des autres. Bonsoir, donc excusez-moi pour ma voix. Je suis Estelle Perrin, juriste chez France Victimes 34. Donc on est une association d'aide aux victimes d'infractions pénales. On traite tout type d'infractions et également le harcèlement scolaire. En plus de ça, lors de mon master, j'ai également fait un mémoire sur le harcèlement scolaire, puisque c'est un sujet qui me touchait beaucoup avec des personnes qui étaient soit auteurs comme victimes très vulnérables. Et voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Laetitia Hérault, psychologue clinicienne donc au sein de cette même association. Pour compléter la présentation, France Victimes est une association qui existe au niveau national, donc de la France métropolitaine au département d'outre-mer.
Au sein de France Victimes 34, notre équipe est donc composée de juristes et de psychologues. Les juristes sont formés au droit pénal, donc elles proposent de l'information et de l'accompagnement tout au long de la procédure pénale, qu'il y ait un dépôt de plainte ou pas. Je trouve que leur rôle est important dans cette association, notamment quand les enfants, les adolescents, les parents se retrouvent confrontés à des situations complexes, telles que le harcèlement et le cyberharcèlement, et à des situations, à des procédures juridiques, pardon, où il y a des termes qu'on ne comprend pas toujours. Donc, je trouve que les juristes font aussi un rôle de traduction de ces termes-là. Les psychologues sont formés donc au psychotraumatisme. Il est possible de nous contacter. Nous avons une permanence téléphonique sans rendez-vous. Et il est également possible de rencontrer un juriste et un psychologue à la maison des associations de Pézenas. Là, donc, c'est sur rendez-vous. Nous accueillons donc des enfants, des adolescents, des adultes, des parents qui ont été victimes soit directement d'une infraction pénale ou indirectement. On peut également accompagner des personnes qui ont été témoins de violences ou de harcèlement et qui peuvent présenter un choc psychologique également. Nous avons également d'autres missions connexes telles que des interventions dans des collèges pour sensibiliser les jeunes et les professeurs sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Merci beaucoup pour ce tour de table. Je vous propose de commencer déjà le débat. Alors, pour pas que ce soit trop soporifique pour vous, je vous invite, si vous avez des questions, à poser-les au fur et à mesure. En gros, on est parti nous sur un plan, mais si on sort du plan, moi, ça me va très bien. Pour le coup, le but, c'est que ce soit dynamique, que les questions soient posées aussi bien par les jeunes que par les moins jeunes. Donc on a prévu un petit plan, on va parler d'abord du harcèlement scolaire, dans un deuxième temps du cyberharcèlement, sachant que les deux sont quand même plus ou moins liés. Mais n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions, des interrogations. Repartez pas d'ici avec des interrogations avec lesquelles vous serez venus. Donc on va commencer par diffuser un tout petit clip, ça dure 30 secondes, pour vous montrer un petit peu de quoi on parle. J'ai pas compris tout de suite ce qui était en train de m'arriver. Mais ça a recommencé, tous les jours. Au bureau, à la cantine. Je voulais juste ne plus jamais devoir y retourner. Ils étaient tous contre moi. Mais quand j'ai enfin trouvé le courage d'en parler... Ils ont dit que ça allait passer. Que c'était des chemins et rien de recoupant d'école. J'en peux plus. J'ai peur que ça ne passe pas. C'est pas parce qu'on est petit qu'on a des petits problèmes. Victime ou témoin, appelez le 3020. Alors, je tenais à commencer cette réunion, cet échange, en vous définissant ce qu'est le harcèlement scolaire. Alors, ça paraît évident. Alors, l'idée, je ne vais pas vous lire le code pénal, sinon j'en ai perdu dans 30 secondes. Mais c'est de vous dire avec des mots assez simples qui ont été récupérés sur le site e-enfance.org, une définition du harcèlement scolaire qui soit compréhensible de tous. Donc, le harcèlement scolaire, c'est une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique, commise par un ou plusieurs élèves à l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre. C'est la fréquence des propos ou des gestes qui constituent souvent le harcèlement. Il peut s'agir par exemple de moqueries, de brimades, d'humiliations ou d'insultes. Ces actes entraînent la plupart du temps de l'anxiété, une chute des résultats scolaires, une dépression et dans le pire des cas, un suicide. Vous avez tous suivi l'actualité. En début d'année, il y a quelques mois de ça, on a eu le petit Lucas, 13 ans, qui s'est suicidé parce qu'il était harcelé au collège. Malheureusement, c'est de plus en plus fréquent. Historiquement, ça m'arrivait dans mon ancienne affectation d'avoir les tentatives de suicide au collège liées au harcèlement scolaire. Donc, c'est quelque chose que la gendarmerie essaye de prendre de plus en plus à cœur, parce qu'on s'aperçoit qu'il y en a de plus en plus. J'expliquerai pas tout, parce que je suis pas forcément psychologue ou j'ai pas forcément assez de recul dessus. Mais le harcèlement scolaire, c'est un véritable fléau et qui commence au plus jeune âge. Donc là, généralement, je prends la lycée de Bonterre qui est là, donc c'est déjà une population qui est un peu plus grande. Mais sachez qu'au niveau gendarmerie, on intervient maintenant dans l'établissement scolaire à partir du primaire. Parce qu'on s'est rendu compte que l'âge déjà de CM1, CM2, juste avant de franchir le cap pour partir au collège, c'est là où on commence déjà à trouver un petit peu de harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire, il y a quelques années, quand j'étais petit, donc il y a beaucoup d'années, c'était en gros les moqueries dans la classe, les moqueries dans la cour de récréation, sauf que ça a pris une ampleur supplémentaire et ça se poursuit à l'extérieur. Donc on parlera du cyberharcèlement dans la deuxième partie du programme. Donc les trois caractéristiques du harcèlement qu'on retrouve souvent en milieu scolaire, c'est une violence. Alors la violence, elle peut être soit physique, soit verbale. La répétition. Donc, c'est en gros, c'est pas qu'une fois, c'est souvent, 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 souvent. Et l'isolement de la victime.
Donc on va discuter après des solutions à avoir pour répondre à ce harcèlement scolaire. Mais je tenais quand même à préciser ce soir que le harcèlement scolaire, en fait, ce n'est pas une infraction qui existe depuis longtemps. Donc je vais parler, moi, de ce qui concerne vraiment la gendarmerie. Le harcèlement scolaire, en fait, en tant que tel, c'est une infraction qui a été créée en 2022. Avant ça, en fait, le harcèlement scolaire, au niveau légal, était traité comme du harcèlement classique. Il n'y avait pas d'infraction particulière quand c'était commis dans un milieu scolaire. Donc en 2022, le législateur a réglé tout ça et ils ont créé une infraction spécifique pour du harcèlement scolaire. Tout ça pour vous dire que ça a quand même pris de l'importance depuis quelques années. Donc le harcèlement scolaire, avec le recul, on se rend compte qu'il est souvent axé sur l'apparence physique, le sexe, l'identité de genre, un handicap, un trouble de la communication, une appartenance à un groupe social ou des centres d'intérêt particuliers. Les risques d'harcèlement scolaire, je viens de vous le dire, sont plus importants en fin d'école primaire. Pourquoi ? Parce qu'on récupère le premier téléphone, la première tablette et on commence à utiliser les réseaux sociaux à communiquer en dehors de l'école. Donc c'est la partie où, en tant que parent, il faut être vraiment très, 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 très vigilant. Pour répondre à ça, qu'est-ce qui existe au niveau gendarmerie ? La brigade de Pézenas, comme toutes les brigades au niveau national, dispose d'un référent scolaire, donc l'adjudant Bermond. Moi, j'ai la chance à Pézenas, j'ai une deuxième militaire, la gendarme primaire, qui intervient dans tous les établissements scolaires de la circonscription, à la demande des directeurs d'établissement ou pas, soit pour faire de la prévention. La partie prévention, je laisserai un peu plus parler le référent et la maison de protection des familles à l'issue, soit pour traiter la partie juste avant la partie judiciaire. Donc, il nous arrive en fait d'intervenir dans les établissements scolaires parce qu'il y a 2-3 enfants qui en embêtent un. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on fait une conciliation, on se réunit au sein de l'établissement scolaire, on parle avec les parents, on convoque tout le monde, les parents, les enfants, et on essaye de régler le problème. Donc, 9 fois sur 10, ça se passe quand même très bien pour le coup, et 9 fois sur 10, on n'entend plus parler de ce problème-là. Et la dixième fois, quand malheureusement cette conciliation ne fonctionne pas, on part sur une procédure, donc avec dépôt de plainte des parents, on convoque les enfants à la brigade. Alors autant vous dire que ça peut être traumatisant quand on n'est pas habitué à venir dans une brigade de gendarmerie, qu'on a 12, 13, 14 ans, ça peut surprendre et ça peut être traumatisant. Donc c'est pour ça qu'on tenait ce soir à sensibiliser sur ce phénomène. Je vais du coup laisser la parole un petit peu au référent scolaire si vous expliquez. On refait tour de table, mais n'hésitez surtout pas à nous couper au fur et à mesure. Vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pour que ce soit un petit peu plus dynamique. Donc oui, en effet, donc j'interviens dans tous les établissements scolaires de l'assiette territoriale de Pézenas. Sur la circonscription de Pézenas, on gère 4000 élèves. 4000 élèves, ça fait, j'ai coutume de dire, 4000 fois plus de problèmes, entre guillemets, à gérer par la brigade de gendarmerie de Pézenas. Donc de ce fait, pour pallier à tous ces problèmes, si je peux dire, j'interviens dans l'établissement scolaire à la demande des chefs d'établissement et dans les classes, je propose donc des séances d'intervention sur le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Ce qu'il faut bien comprendre au niveau du harcèlement scolaire, c'est que il ne faut pas confondre un fait isolé comme un épisode de violence ou un épisode d'injure avec le fait de harcèlement. Le harcèlement, comme j'ai coutume de le dire aux parents, c'est en effet un fait qui est répété dans le temps. C'est ce que souvent les parents ne comprennent pas trop. Car s'il n'y a pas cette répétition de méfaits auprès des élèves, il n'y a pas le harcèlement derrière qui en découle. Oui, parce que souvent, je le vois dans les établissements, il n'y a pas de mots. Les élèves entre eux, de par leur jeune âge, juste souvent un regard en coin, des rigolades, des brimades derrière ou de la mesquinerie suffisent à blesser un élève. Et c'est vrai qu'après, lorsque les parents viennent nous voir, il est difficile de pouvoir caractériser l'infraction de harcèlement. Donc, pour pallier à ce harcèlement, on propose avec, bien sûr, l'autorisation du tribunal de Béziers et les chefs des établissements scolaires de l'éducation nationale, on propose des conciliations lorsque le harcèlement est réel et difficilement quantifiable. Donc, on convoque au sein des établissements scolaires les parents des élèves qui sont victimes, mais également
les élèves qui sont visés en qualité de mise en cause, disons, pour dans le harcèlement, avec leurs parents, également les CPE et le chef d'établissement scolaire. Et à partir de là, on fait donc une conciliation, un tour de table, et les élèves prennent conscience souvent de la portée de leur acte ou de la portée de leur parole. À l'issue, on rédige un renseignement judiciaire qu'on envoie donc, qu'on fait parvenir au procureur de la République, qui n'a pas de conséquences, bien sûr, pour les élèves qui sont visés, qui sont mis en cause, mais qui, le procureur de la République est informé de ce méfait, et c'est aussi pour doubler en cas de réitération du harcèlement. Donc voilà ce qu'on propose pour les parents qui se sentent démunis face au harcèlement de leurs enfants lorsque, je le répète, l'infraction n'est pas caractérisée. Voilà, je vais passer la parole à l'adjudant-chef Fernandez. Oui, allez-y, on vous écoute, madame. Attendez, on va vous passer un micro pour que tout le monde puisse entendre. Sinon, en fait, sur Facebook... Sinon, sur Internet, en fait, ils n'entendent pas la question qui a été posée, ils n'ont pas un micro, en fait. C'est diffusé sur Internet en même temps. Voilà. Merci. Lorsque vous ne pouvez pas qualifier les faits de harcèlement, est-ce que vous pouvez vous appuyer sur le fait discriminatoire simplement ? Puisque si j'ai bien compris, les victimes concernées sont soit se rapportent au sexisme, à l'apparence, au handicap, à l'orientation sexuelle, c'est-à-dire ces victimes qu'on retrouve sur la liste des discriminations officielles, qui sont actuellement condamnables, donc passibles d'aller en justice et d'être condamnées. Est-ce que cela peut compenser une impossibilité de caractériser le harcèlement, qui lui est répétitif ? Alors, je comprends totalement ce que vous voulez dire, mais... C'est déjà bien. Bravo. En fait, si vous voulez, pour les adultes, c'est très facile de caractériser une infraction à partir du moment où on se dit réellement en face les choses. Donc, on peut caractériser un fait discriminatoire par rapport au sexisme, par exemple, ou à l'orientation sexuelle, ou à la religion, ou à la couleur de peau. En effet, le code pénal prévoit ce genre d'infraction. Mais il faut savoir que les élèves, entre eux, c'est difficile. Ce n'est jamais en raison d'une appartenance sexuelle ou quoi que ce soit. C'est beaucoup, souvent, je me rends compte que les propos de harcèlement, enfin les faits de harcèlement scolaire, proprement parlé, se fait par des regards, des moqueries, mais une moquerie, ce n'est pas réprimé par le code pénal. Et c'est ce qui touche beaucoup les élèves. C'est souvent un petit coup d'épaule. C'est rien pour nous. On dit pardon. Mais un mineur, un élève, lui, si ça se fait souvent, le mineur se sent lésé. Et caractériser une infraction, ce n'est pas si facile lorsque c'est des propos infantiles. Voilà. Merci. Je compléterai juste, du coup, après je cède la parole à Nathalie. Je ne vais pas monopoliser la parole trop longtemps. Après, quand on est vraiment sur une typologie que vous avez décrite, sur liée à la religion, liée à des thématiques vraiment très sensibles, souvent on est sur un événement ponctuel. On n'est pas sur un phénomène plutôt de harcèlement. Et là, pour le coup, la plupart du temps, il y a quand même un dépôt de plainte derrière avec une procédure qui est faite. Si c'est des remarques qui sont faites en permanence sur une appartenance religieuse ou autre chose, on aboutit quand même souvent à une procédure derrière, pour le coup. Avec la difficulté de l'âge de l'enfant qui est aussi pris en compte au niveau du tribunal pour savoir s'il y a des sanctions pénales ou par l'issue. Mais la plupart du temps, ça va aboutir à une procédure. Alors effectivement, il faut savoir que tout est prétexte en fait, à déclencher un harcèlement. Là, vous avez évoqué certaines particularités, mais ça peut être tout simplement une tenue vestimentaire. Une façon de porter des vêtements, de porter des baskets qui ne sont pas à la mode. Enfin, tout est prétexte, en fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les élèves n'ont pas toujours conscience, en fait, qu'ils harcèlent.
C'est pour ça que nous, en fait, quand nous intervenons dans nos actions de prévention, en fait, on a d'ailleurs créé un spot de prévention qu'on n'aura peut-être pas le temps de vous passer, mais que je vous invite à aller voir sur YouTube MPF Hero, où en fait, tout est prétexte à déclencher un harcèlement. Donc en fait, nous, quand on intervient dans l'établissement scolaire, on passe ce petit spot, notamment pour les primaires, et voilà, on met des mots sur ce que c'est que le harcèlement, comment ça commence. Et souvent, en fait, c'est tout simplement parce que voilà, on veut se moquer, on veut épater les copains, et en fait, tout est prétexte à déclencher un harcèlement. Il n'y a pas forcément, en fait, des élèves particulièrement qui vont se faire harceler. Ça, tout est prétexte. Donc, en fait, nous, dans nos interventions, et c'est là-dessus, nous allons aborder le harcèlement, ce que c'est, comment c'est représenté, mais c'est surtout, en fait, leur expliquer que le harcèlement, en fait, s'arrête du moment qu'on parle. Et ça, d'ailleurs, vous l'avez vu dans la vidéo, effectivement, le trois quarts des situations de harcèlement que l'on a rencontrées, nous, ouais, dans nos interventions dans les classes, puisque c'est, voilà, dans nos classes, c'est un échange avec des élèves. Et effectivement, systématiquement, les élèves qui ont parlé, le harcèlement s'est arrêté. Donc nous, en fait, quand nous intervenons, c'est vraiment, on s'appuie surtout là-dessus. Si un jour tu es victime de harcèlement, il faut que tu en parles à un adulte. Alors bien sûr les parents, mais ça va être aussi les membres de l'établissement scolaire, mais ne pas rester avec cette problématique. Et puis le deuxième message qu'on laisse passer aussi hein, pour le harcèlement, c'est le message clair, c'est-à-dire carrément dire à l'autre ce que tu me dis, ça me blesse et tu n'as pas à me dire ça. Voilà. Et souvent, en fait, ces messages clairs qui sont passés, alors on le dit souvent en école primaire, hein, mais on peut le dire aussi pour des collégiens, hein, pour des adultes, pour des adolescents de votre âge. Voilà, le message clair. Tu n'as pas à me parler comme ça, tu n'as pas à me dire ces mots-là. Et souvent, ça s'arrête. Et bien sûr, après, bien sûr, si ça continue, il y a toujours cette chose de libérer la parole, que l'enfant ou l'adolescent qui est victime aille parler à un adulte et qu'il ne reste pas dans son coin. D'ailleurs, si vous avez vu les situations qui ont fait la une sur les journaux d'enfants qui en sont venus à avoir un geste dramatique, c'est souvent, en fait, les parents n'étaient pas au courant, ne le savaient pas. D'accord ? Donc, en fait, il y a plein de structures, il y a plein de situations, de protocoles qui sont mis en place dans l'éducation nationale qui permettent en fait d'arrêter. Mais pour cela, il faut vraiment que celui qui en est victime en parle et très rapidement, dès le début. Et puis la dernière chose que je voudrais dire, en fait, un harceleur, il y a un harceleur, il y a l'harcelé, mais ce qu'il faut jamais oublier dans le harcèlement, c'est qu'il y a un public. Il y a toujours un public. Le harceleur, il se complaît à harceler, à faire du mal, avec un public autour de lui. Donc, en fait, le harcèlement, c'est la question, ça concerne tout le monde, y compris les témoins, tous ceux qui sont autour. Il y a toujours quelque chose à faire quand on est témoin de cette chose-là. Voilà, un camarade qui se fait moquer, qui se fait insulter. Mais quand on est témoin, on doit réagir. Et ça, c'est l'affaire de tout le monde de réagir. C'est pas que le harcelé, tout le monde doit réagir. Ça, c'est très important. Bonjour. Donc, j'avais juste un peu de mal avec la question sur la répétition. Un acte qui va avoir quand même de l'ampleur, du coup, ça va pas être de l'harcèlement. C'est répréhensible quand même. C'est-à-dire un acte qui va avoir de l'ampleur, un seul acte avec beaucoup d'ampleur. Oui. Oui, en fait, sur le harcèlement, ça sera répréhensible quoi qu'il arrive. Donc, quand on y répétition, c'est en gros, vous allez poster quelque chose. On en parlait tout à l'heure sur la partie cyber. Vous allez poster quelque chose sur un réseau social, quel qu'il soit, et ça va être liké derrière. Donc, c'est un seul événement. Vous avez posté une seule chose, mais qui est liké par plusieurs personnes derrière, ben, il y aura infraction. Donc, c'est pas forcément plusieurs actes commis plusieurs fois pendant une durée assez longue. Ça peut être un seul acte. Une photo postée de votre ex sur les réseaux
contre son avis, pour le coup, et c'est liké par tout le monde, et diffusé à droite à gauche, et c'est du harcèlement. D'accord, je ne sais pas si c'est votre question, du coup. Oui, c'était ça. Monsieur Delomo, du coup, si. Oui, ben pour compléter tout ce qui vient d'être dit, à nous, au niveau de mon service, comme au niveau d'un établissement, déjà, c'est un phénomène qui est très complexe. Il faut savoir que pour détecter le harcèlement, il faut avant tout, prendre le temps de vraiment voir la réalité, et on est avant tout sur du factuel. Donc, il faut pouvoir, à un moment, dans l'observation, à la fois des adultes notamment, mais aussi pour des élèves notamment, qui eux voient des choses qu'ils ne voient pas à l'adulte, vraiment déterminer si on est dans un phénomène de harcèlement ou pas. Donc, seuls les faits comptent. Donc, ça, c'est très compliqué, déjà. Ensuite, il y a cette notion, effectivement, de répétition. Vous avez, et ça, c'est prouvé, globalement, il y a un chiffre qu'il faut retenir. Et lorsqu'on peut s'exprimer dans les classes, on dit, voilà, vous êtes une classe de 30. Donc, parmi vous, il y a potentiellement 3 élèves qui se font harceler, parce qu'on estime qu'il y a 10% d'élèves au niveau d'une classe d'âge qui peuvent être potentiellement victimes de violence au quotidien. Et dans ces 10%, vous avez 6 à 7% d'élèves qui sont, eux, multivictimes. Donc, on est dans un phénomène de harcèlement. Quand on dit multivictime, c'est-à-dire que l'élève, il sait que quand il va franchir, déjà avant, sur le trajet de l'école, il sait qu'il peut lui arriver quelque chose. Quand il va franchir le portail du collège ou de l'école, que ça démarre effectivement, et nous, on est puisqu'on a bien sûr la liaison directe avec les écoles, les établissements, par le biais notamment d'une remontée d'informations. Donc on travaille sur l'académie, donc on travaille sur les 5 départements de l'académie de Montpellier. Donc on a quand même conscience qu'effectivement, et on dit aux élèves que ce n'est pas un phénomène virtuel, que ça existe réellement. Donc l'élève sait que quand il va arriver dans le collège, il va lui arriver quelque chose, sous une forme ou sous une autre. Alors, au départ, ça peut démarrer par un surnom qui blesse. Or, il suffit qu'on pose la question dans les classes, est-ce que tel élève a un surnom qui ne lui fait pas plaisir? Eh bien, vous avez souvent des élèves qui lèvent la main, et il suffit qu'ils osent le dire, et on voit bien, et les autres élèves prennent conscience qu'effectivement, simplement le fait qu'au lieu de l'appeler par son prénom, on l'appelle par un autre nom qui est dévalorisant, ça ne fait pas plaisir. Donc rien que par cette question-là, les élèves peuvent prendre conscience qu'effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis ensuite, après, le surnom, eh ben, si l'élève ne réagit pas, parce qu'on joue souvent sur une fragilité, ou c'est un élève qui vient d'arriver dans la classe, ou un élève qui vient d'un autre village, parce que toutes les raisons sont bonnes pour effectivement faire du mal, eh ben, on va continuer. Après le surnom, eh ben, on va le bousculer, on va lui donner une petite claque derrière la tête, et puis ensuite, après, on est dans ce phénomène, dans cette dynamique, qui fait qu'effectivement, comme ça a été dit, il y a un auteur ou des auteurs, très souvent, il y a, pour l'avoir vu aussi, et avoir aussi eu à traiter des situations de harcèlement, il y a souvent une bande, ça, il y a un meneur, et puis vous avez 3-4 suiveurs qui sont là souvent pour obéir à ce que dit le meneur, parce que le meneur se met toujours en retrait. C'est souvent les suiveurs, là, les 3-4 qui vont agir. Et puis vous avez, comme l'a dit très justement l'adjoint chef, vous avez les autres, donc la classe, ils se positionnent en étant complices, donc harceleurs passifs ou harceleurs actifs. En général, lorsqu'il y a un groupe classe, parce qu'il y a une dynamique avec un triangle, un auteur, une victime, et puis le groupe classe. Et donc, eux doivent se positionner. Si le groupe classe va vers les harceleurs, ils sont complices. Donc, nous, dans nos actions de prévention, avant tout, quand on débute éducatif, c'est faire prendre conscience, parce que dans 90% des cas, les élèves prennent conscience que ce qu'ils font, c'est mal. Donc le harcèlement s'arrête. Ou la phase avant le harcèlement, c'est-à-dire la phase d'intimidation, s'arrête. Et c'est là qu'il faut agir auprès des adultes, notamment. Et les élèves, vous avez une responsabilité. C'est quand vous voyez quelque chose qui démarre, cette première phase qu'on appelle la phase d'intimidation, c'est là que vous avez une responsabilité soit d'alerter, soit d'agir par vous-même. Parce que le harceleur jouera toujours sur la peur et puis sur l'effet de groupe.
Donc c'est là que le groupe classe, et nous dans nos interventions, on agit beaucoup sur la classe, son rôle primordial pour que cesse très rapidement ce phénomène de violence vis-à-vis d'un autre qui, lui, est victime régulièrement. Après, si vous voulez réagir à ce que je viens de dire, je suis prêt à répondre. Mais l'importance des élèves, c'est primordial, même si les adultes peuvent à un moment agir, mais des fois, ils agissent dans un deuxième temps où déjà on est dans une dynamique de harcèlement qui devient beaucoup plus grave. Et là, après, on rentre effectivement dans le traitement avec la gendarmerie. Mais avant tout, les élèves, vous avez une responsabilité parce que vous voyez des choses que les adultes ne voient pas. Bonsoir. Je voulais vous demander la place du portable au collège, comment ça marche exactement? Il me semble qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser, bon, en cours, ça c'est normal. Est-ce qu'il y a du réseau, est-ce qu'ils peuvent l'utiliser à la cour de récré? Est-ce qu'il y a des brouilleurs d'ondes dans les classes? Enfin, la place du portable dans le collège, comment ça marche? Et une autre question aussi, peut-être plus pour les psychologues. Bon, moi, mes enfants, ils sont petits, ils n'ont pas encore de portable, mais ça va pas trop tarder. Qu'est-ce que vous pensez des applications qui permettent de vérifier le contenu web des enfants pour justement vérifier de temps en temps ce qu'ils font? Alors, c'est une question, je pense, délicate, parce qu'ils ont à la fois besoin de leur liberté quand ils sont adolescents, mais à la fois quand on a des enfants qui ne disent pas tout, de temps en temps, vérifier ce qui se passe, je pense que ça me semble une bonne idée. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, ces deux questions. Alors, sur la première question, la place des portables, alors c'est vrai que c'est un phénomène de société. Hein. Les enfants et les adolescents sont équipés de portables. De plus en plus tôt et très souvent à partir du CE2, les enfants ont des portables. On est maintenant plutôt au CE2. Ça diminue régulièrement, mais même dès le plus jeune âge et même avant même de savoir lire, écrire, il y a des phénomènes d'exposition aux écrans, y compris sur la toute petite enfance. Donc là, ça concerne les aspects éducatifs, hein, là c'est effectivement des choix éducatifs à poser au sein de la famille, mais attention de pas diaboliser le portable qui est aussi un instrument d'accès au savoir, d'accès à la communication, qui doit être maîtrisé par les jeunes qui sont en construction, et donc ils ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi avec ce portable, mais c'est aussi un instrument qui est un instrument qui peut être éducatif et facteur de liberté et de construction d'un esprit critique. Donc c'est toujours des phénomènes un peu complexes, hein, tout ça. Il pose problème quand il y a un abus dans l'utilisation du réseau social ou de l'utilisation de cet outil qui peut être magnifique à des fins de nuire à d'autres et de faire du mal. Mais ce n'est pas le portable qui fait du mal, c'est la personne qui l'utilise à cette fin. Donc effectivement, de plus en plus, mais c'est pas les seuls, hein, mais de plus en plus, lorsqu'on a des phénomènes où des élèves souffrent, ce n'est pas forcément des situations de harcèlement, parce qu'effectivement, pour le harcèlement, il y a un mécanisme qui est compliqué, mais on a des élèves qui souffrent de situations ou d'insultes ou de moqueries répétées ou non. Il y a de plus en plus le portable qui est impliqué et ça démultiplie les problèmes. Parce que c'est facile d'utiliser un réseau social
pour faire du mal à la personne, y compris de façon continue, nuit et jour. Des situations de harcèlement où c'est répété toute la nuit et pendant la journée, ça existe. C'est pas non plus très courant, hein, non plus. Il faut pas non plus noircir non plus le tableau, mais ça existe. Et la plupart du temps, effectivement, on a l'utilisation de cet outil de plus en plus. Et là, on parle de cyberharcèlement, mais pas forcément avec du harcèlement. Des diffusions d'images dont on a parlé tout à l'heure, ça peut... Comment ça se passe dans l'enceinte du collège ? Actuellement, le port du portable n'est pas interdit. Hein. Donc, les enfants et les parents demandent à ce que les enfants puissent avoir le portable. On a modifié le règlement intérieur du collège pour interdire tout usage du téléphone portable sur un certain nombre d'usages. Cependant, il ne faut pas se voiler la face. Les enfants et les adolescents qui veulent utiliser ce portable sur des utilisations interdites arrivent à le faire. Il suffit de se cacher dans les toilettes ou de se cacher dans un recoin du couloir ou même de cacher le téléphone dans sa trousse, ça arrive. Ils arrivent à utiliser le portable, même si c'est interdit. Donc, l'objectif qu'on a au sein des établissements scolaires, c'est avant tout d'avoir une réflexion critique par rapport à cette utilisation d'un outil qui est quand même malgré tout intéressant et facteur de construction des adolescents, et de leur faire prendre conscience d'un certain nombre de choses et de permettre aussi l'émergence de la parole et de faire en sorte que les victimes ne soient pas isolées, de rompre l'isolement. Parce que dans les phénomènes de victimes, il y a forcément un isolement de la victime. Donc il faut rompre cet isolement. Donc, on parlait tout à l'heure de ces témoins. Lorsqu'il y a des témoins qui interviennent, ça fait déjà, on rompt déjà l'isolement de la victime et très régulièrement, ça suffit pour arrêter. Et ce qui est pour nous important, c'est de faire en sorte que dans l'activité au sein de l'établissement, chacun ait sa place et une place reconnue qui permette aussi de rompre l'isolement des uns et des autres en favorisant le travail entre les élèves, entre pairs, et en favorisant la prise de parole et en intervenant aussi avec des gens qui viennent nous aider hein, là-dessus, mais c'est aussi dans une construction de tous les jours. Hein, et ce n'est pas seulement avec les intervenants extérieurs, c'est un travail quotidien des enseignants et de l'ensemble des personnels pour faire en sorte qu'on vive et que tout le monde ait une place qui soit reconnue au sein d'un établissement. Et alors, on n'y arrive pas à 100%. Hein, et donc, quand on n'y arrive pas à 100%, il faut effectivement qu'on puisse avoir des interventions plus importantes. Mais en tout cas, c'est les conditions nécessaires pour qu'il y ait un bien-être dans l'établissement. Mais on est les réceptacles de toute la souffrance qu'il peut y avoir dans la société actuelle. Et donc... on n'est pas exempt des mal-être et des malheurs et des souffrances que les uns et les autres peuvent avoir dans leur vie quotidienne. Je vous disais tout à l'heure, il y a 660 élèves dans le collège, donc il y a plein d'occasions où on peut être en situation de souffrir d'une situation, quelle qu'elle soit. Alors pour, et l'important, c'est de parler. Pour venir appuyer votre propos, nous pensons à la maison de protection des familles que, oui, effectivement, il y a une recrudescence de faits liés à l'usage des portables, de
notamment chez les plus jeunes à partir du effectivement CE1, CE2, qui ont cet usage du téléphone. La problématique, c'est qu'il y a ce qui est prévu par les établissements scolaires, et puis il y a tout ce qui est à l'extérieur de l'établissement scolaire. Et puis toutes les problématiques qui existent à l'extérieur finissent par rentrer à l'intérieur du collège, liées à l'utilisation du téléphone portable. Alors, ce n'est pas lié à l'utilisation directement dans l'établissement scolaire, même s'il y a effectivement à certains moments un défi par rapport aux interdictions. Mais on s'accorde à dire que, de par le constat de nos actions de prévention, on a de plus en plus de problèmes liés à ces usages du téléphone portable et le fait de mettre en place l'existence du téléphone portable chez les plus jeunes apporte de plus en plus de problématiques. Maintenant, vous parliez des applications qui existent. C'est bien les applications, mais ça ne fait pas tout. Nous, on martèle le discours de dire le premier contrôle parental, c'est vous. On n'hésite pas à dire que il faut commencer par mettre en place une relation de confiance avec les enfants. Si on interdit tout, ils vont contourner le problème. On a bon nombre d'enfants qui, les parents affirment, non, moi, mon enfant, il n'a pas de réseau social, il n'a aucun accès. Mais les copains l'ont. Ils peuvent très bien créer un compte par le biais des téléphones portables des copains. Alors oui, toutes les applications sont intéressantes. Mais à partir du moment où vous avez mis en place déjà cette relation de confiance, l'enfant va comprendre que vous allez vouloir exercer un droit de contrôle et de regard sur ce qu'ils font sur Internet et sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas perdre de vue que les réseaux sociaux ne sont normalement pas accessibles avant un certain âge. On sait très bien que c'est facilement contournable et qu'on peut passer aussi par les copains pour pouvoir y avoir accès. Donc c'est, je pense, c'est le discours que l'on tient. Il faut déjà les préparer. Je pars du principe que Internet, les réseaux sociaux, ça doit faire partie intégrante de l'éducation qu'on doit donner à nos enfants. Maintenant, les applications, c'est une bonne chose. Ça vous permet, vous, de piloter à distance, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les jeux vidéo, hein, puisque les problématiques de harcèlement ou de cyberharcèlement peuvent aussi passer par le biais des jeux vidéo en ligne. Donc, je pense que plus vite on met en place cette relation de confiance, avec des règles qui sont relativement bien établies dès le départ, on va peut-être éviter un certain nombre, on ne va pas tout éviter, mais on va peut-être éviter un certain nombre de problématiques, en plus des applications. Alors, normalement, les réseaux sociaux, de par le RGPD, le Règlement Général de la Protection des Données, qui est au niveau européen, a été fixé par la France à 15 ans. Il était précédemment à 13 ans. 13 ans est toujours valable à partir du moment où il est fait par le biais des parents. D'accord ? Je dis aussi auprès des parents et même des enfants. Ok, 13 ans. D'accord. Mais ce n'est pas juste pour l'inscription. L'inscription, ça ne suffit pas. On accompagne des enfants. Il faut les éduquer aux réseaux sociaux et aux pièges et aux rouages et au fonctionnement des réseaux sociaux. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est qu'il y a un dicton qui va bien avec ça. Hein. Les réseaux sociaux, comme pour beaucoup de choses, c'est gratuit. Et si c'est gratuit, c'est qu'on est le produit. Les réseaux sociaux se servent de toutes les données qu'on va y mettre. Alors, nous, on a une certaine forme de discernement que n'ont pas les enfants. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument les accompagner. Et c'est pour ça aussi que l'âge a été relevé à 15 ans, parce que c'est important, lié aux problématiques et tous les dangers qu'il peut y avoir régulièrement. L'actualité, malheureusement, est riche en la matière. Et que si ça se fait avant, si ça se fait à partir de 13 ans, c'est pas simplement pour l'inscription. Il faut les accompagner dans leur usage et dans le fait que Internet, c'est un super outil. Ça, on en est tous convaincus, mais avec beaucoup de pièges. Et puis, avec des traces indélébiles, puisqu'il n'y a pas de délai de prescription hein, sur les données qui figurent sur Internet. Et que souvent, quand on parlait des violences et du harcèlement, du cyberharcèlement,
la victime, la jeune victime, est souvent seule à recevoir ce message. Et si on est dans une sensibilité particulière, parce qu'on a tous et toutes notre sensibilité qui va influencer notre jugement, notre interprétation des propos, eh bien forcément l'impact peut être différent. Donc il faut absolument prendre en compte cette dimension de la sensibilité de chacun et de l'impact que ça peut avoir, le poids des mots, le poids des photos, de tout ce qui peut être fait et dit. Parce que quand on passe par un réseau social ou par une autre plateforme, bien souvent, ce qu'il manque, c'est le ton sur lequel c'est dit, l'intonation, l'intention qui est mise derrière. Et tout est sujet à interprétation et à dérapage qui font que des problématiques de harcèlement qui peuvent démarrer à l'extérieur finissent par atterrir à l'intérieur d'un établissement scolaire, quel que soit le positionnement par rapport à l'usage des téléphones portables. Vous avez une question, madame, je crois. D'accord, merci. Donc, par rapport à la question, l'adolescent traverse une période très compliquée où il va construire et déconstruire tout ce qu'il a jusqu'alors appris. Et donc, il va avoir besoin à la fois, effectivement, de liberté, comme vous disiez, monsieur, mais il aura aussi besoin de limites. Et je pense que pour répondre à votre question, il s'agit en fait d'un équilibre entre ce besoin-là de liberté, donc besoin d'aller chercher des ressources ailleurs, d'aller chercher des ressources sur Internet, mais aussi d'être en lien avec ses amis, avec ses pairs. C'est très important puisqu'il va se construire à la fois auprès de la famille, mais aussi auprès de ses amis et auprès de l'école. Donc il a besoin d'avoir accès à ses amis. Il a besoin aussi de se sentir libre, de pouvoir se découvrir, mais avec des limites. Puisqu'on a tous besoin de se construire avec des limites, c'est comme ça qu'on peut les intégrer, c'est quand on va nous les transmettre, et quand la famille d'abord nous les transmet. Donc je pense que c'est un juste milieu entre les deux. Comme disait mon collègue tout à l'heure, il est important, il me semble, de pouvoir accompagner l'enfant dans la découverte du téléphone et des réseaux sociaux. Et là, je dis l'enfant, puisque les enfants et les adolescents ont un téléphone de plus en plus tôt, et quand ils n'en ont pas, ils y ont accès effectivement à l'école et avec leurs camarades. Donc, plutôt on leur permet de découvrir finalement cet outil et on leur explique tous les enjeux qu'il peut y avoir derrière cet outil, sans forcément leur donner un téléphone, mais juste qu'ils puissent le découvrir. Par exemple, leur expliquer que si on voit sur Instagram une photo ou un message qui peut être dégradant, ne serait-ce que de liker, par exemple, un commentaire dégradant concernant quelqu'un, ne serait-ce que de liker ça, en fait, ça va avoir un impact sur la personne qui est visée dans ce commentaire dégradant. Donc, toutes ces petites choses-là, je pense, sont à faire découvrir à son enfant et à son adolescent. Et donc, il s'agit vraiment de l'accompagner, effectivement, en instaurant une relation de confiance dans cet outil-là. Et puis, on parlait des limites. Je rencontre pas mal de jeunes patients qui ont été ou qui sont victimes de harcèlement ou de cyberharcèlement. Et la spécificité qu'il peut y avoir dans le cyberharcèlement, c'est que la personne qui en est victime n'a pas d'espace refuge. Par exemple, dans le cadre d'une violence ou dans le cadre d'un harcèlement scolaire, quand l'enfant rentre à la maison, il peut se sentir en sécurité. Il peut avoir un espace pour lui sécurisant et rassurant. Alors que dans le cyberharcèlement, à partir du moment où ce jeune est au contact avec son téléphone ou avec Internet, il est constamment en fait confronté à cette violence-là. Et donc, j'ai pas mal de jeunes qui dorment avec leur téléphone et qui donc ont accès en permanence en fait à ces messages ou à ces photos, à ces propos dégradants. Et il y en a qui vont se réveiller la nuit et lire tous les commentaires qui les visent. Donc voilà, je pense que c'est un juste milieu entre liberté, confiance et limites, puisqu'on a besoin de limites aussi pour se construire, même si ce n'est pas toujours agréable qu'on nous les pose. Juste pour répondre à la question de monsieur tout à l'heure, il y a une dizaine de minutes, il n'y a pas de brouilleur dans les écoles. Donc vous
posiez la question de savoir s'il y a des brouilleurs pour empêcher les élèves de téléphoner. Non, il n'y a pas de brouilleurs dans les écoles. Enfin, à ma connaissance, en tout cas. J'ai fait quelques postes, mais pour le coup, ce n'est pas en place. Ça n'existe pas. En fonction des établissements scolaires, ce que disait tout à l'heure Mme Lefebvre, il y a des règlements intérieurs qui interdisent par contre les portables à l'école. Et auquel cas, quand les élèves arrivent le matin, ils le laissent dans une boîte, ils le récupèrent le soir en repartant. S'il y en a un qui est sorti pendant la récréation alors qu'ils n'ont pas le droit, il est confisqué pendant un trimestre. Et ça, après, ça dépend vraiment du règlement intérieur au niveau du collège ou du lycée. C'est l'établissement. Madame, vous avez une question du... Oui, bonsoir. Alors, ma question s'adresse à Madame Lefebvre. Je constate, au vu de tout ce qu'on entend depuis tout à l'heure, il y a quand même besoin d'une formation, en tout cas... c'est pas rien au niveau du harcèlement et on voit à quel point c'est difficile justement de pointer s'il y a harcèlement ou pas harcèlement. J'écoute avec beaucoup d'attention et la première vidéo qu'on a vue donne vraiment des frissons. Donc j'aurais voulu savoir, Mme Lefebvre, si au sein de l'établissement Jean Benne, comment ça se passe? Est-ce que les professionnels, donc les enseignants et tous ceux qui travaillent, sont formés pour être un peu plus sensibilisés à ça? Et mon autre question, c'est le fait que, on parlait des réseaux sociaux, on est actuellement retranscrit sur Facebook. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents et aux enfants qui nous écoutent au-delà de ces murs, lorsqu'il y a un constat ou en tout cas un enfant qui a parlé à un parent ou un enfant qui va vers un professionnel du collège, quels sont après les protocoles et la prise en charge qu'il va avoir et afin qu'il puisse être pris en compte? Alors, sur la partie formation des personnels, il y a différents niveaux de formation des personnels et différents personnels qui sont formés plus ou moins à ces questions. Dans un établissement, il y a des agents qui sont aussi sensibilisés à ces questions et qui sont assez sensibles aussi à ce type de choses et qui sont aussi à l'écoute des enfants et qui peuvent être des alerteurs de situations, notamment à la cantine. Donc tous les personnels sont sensibilisés à un degré, en fonction du poste qu'ils occupent, à ces situations de souffrance d'élèves et de sensibiliser au niveau des écoutes. Les enseignants, en fonction de la place qu'ils ont et de leur parcours, sont également sensibilisés à minima, formés, mais c'est inégal, je ne vais pas vous dire que la formation est identique pour les uns et les autres, jusqu'à avoir des personnels qui sont beaucoup plus formés, beaucoup plus qualifiés sur la question, l'infirmière scolaire, le médecin scolaire, le CPE, qui est également beaucoup formé sur ces questions. Qu'est-ce que j'ai oublié? Le psychologue de l'éducation nationale, qui n'est pas tout le temps présent dans l'établissement, mais qui est à la disposition des élèves et des familles pour répondre à un certain nombre de problématiques, et l'assistante sociale du collège, qui est également extrêmement formée à la question, et évidemment la direction. Donc, vous parliez après des procédures qui sont mises en place. Il faut effectivement repartir sur le factuel qu'évoquait mon collègue. Il peut y avoir des faits qui sont très isolés et qui sont de l'ordre d'un acte complètement innocent, mais systématiquement, quand il y a de la souffrance de la part de la personne qui le reçoit, le message que j'ai à passer, c'est que dès qu'il y a souffrance, il faut venir nous en parler, parce qu'on ne le sait pas forcément. Les enfants pensent qu'on voit tout, notamment dans la cour de récréation. Non, on observe des situations, mais qui sont extrêmement diverses. Les surveillants dans une cour de récréation, ils voient des enfants en train de se chamailler, en train de se pousser, et c'est du jeu, mais parfois c'est pas du jeu. Et on est sur des actes de violence qui sont minimes, mais qui sont déjà des actes de violence. La différence, c'est effectivement comment ressent la personne qui reçoit des paroles ou des gestes, la souffrance qu'elle éprouve. C'est ça qui va faire la différence. Et là, il faut effectivement rompre l'isolement et faire en sorte, le message, c'est il faut en parler. Il faut en parler à différentes personnes et les personnes vont alerter. Alors, on ne va pas intervenir systématiquement tout de suite, parce que la demande parfois des élèves et des parents, c'est une demande de sanction.
Il faut d'abord évaluer la situation et être vraiment sur du factuel et faire la différence entre ce qui est de la violence et ce qui est de la moquerie et pouvoir estimer le degré aussi, évaluer le degré de souffrance de l'adolescent. Parce que les adolescents, ben, ils sont en construction, donc c'est très fluctuant aussi, hein, leur ressenti du matin au soir peut être très différent et d'un jour sur l'autre peut être très différent. Et des plaintes qu'on peut avoir d'élèves qui s'entendent très bien par ailleurs ou d'enfants qui s'entendent très bien par ailleurs, ça peut aussi dégrader les relations qui peut se passer entre eux. Donc il faut être factuel, évaluer une situation sur une certaine durée. Une intervention ne va pas être systématique et tout le temps, mais en tout cas, il faut en parler. Au sein de l'établissement, du coup, vu que le harcèlement, c'est sur de la répétition. Oui, il y a même plus que de la répétition. Hein. Pour vraiment définir le harcèlement, il y a de la répétition, il y a une relation de domination qui s'impose. Le harcèlement, c'est vraiment très particulier. On parlait des statistiques tout à l'heure, on va prendre les statistiques du collège. 660 élèves, 10%, et 6% de ces 10%. Donc, en fait... 66, on est à 4 élèves sur l'ensemble de l'établissement qui potentiellement sont dans une situation réelle de harcèlement. Et ce qui signifie pas... Ma question, pas, en fait, c'est surtout ça, c'est pour qu'en fait, les gens qui nous écoutent et qui sont oui, nous là... venir en parler. Les parents, donc venir en parler, donc ils viennent voir... la CPE. La CPE du collège. La personne, voilà, c'est ça, ma question, c'est de savoir précisément que les parents, comme les enfants, puissent savoir exactement vers qui... aller comme professionnel. Vous parlez de qui ont été potentiellement, je me doute que tout le monde ne peut pas être formé et qu'il y a eu voilà, des formations pour certains. Vous dites que vous allez, enfin voilà, qu'il y a une. Il y a tout un protocole. Il y a tout un protocole. Oui. À partir de quel moment et de nombre de fois où l'enfant vient vous voir ou le parent vient vous voir, vous estimez que ça devient un harcèlement ou c'est juste voilà, des chamailleries entre camarades? C'est pas le nombre, ça va pas être le nombre de fois. De toute façon, systématiquement, ça va être la souffrance de la victime qui doit être importante. Et la victime, ce qui est important, c'est qu'elle vienne en parler ou que d'autres viennent nous en parler pour qu'on fasse une estimation de la situation. Et en fonction de la situation, il y aura la mise en place d'une prise en charge légère ou plus importante en fonction de la situation. Réel de la situation. Donc ça peut être limité juste aux surveillants. Hein, tout à l'heure, je n'ai pas parlé des AED, hein, des surveillants qui ont un rôle extrêmement important dans la vie des adolescents parce que justement, ils sont présents dans les situations où l'encadrement est moins dense. Hein, quand on est en classe... Ben, ils sont entre 25 et 30 dans une classe avec un ou deux enseignants, ce qui n'empêche pas qu'il peut y avoir des actes répréhensibles aussi au sein de la classe. Hein. Mais c'est déjà un petit peu plus visible. Dans une cour où ils sont 660 et où il y a 4 surveillants, on étudie les situations, mais on ne voit pas tout le détail. Donc les premiers interlocuteurs, ça va être les AED, qui sont eux-mêmes chargés d'observer un certain nombre de situations et de le rapporter à leur supérieur qui sont les CPE. Et en fonction des situations, il y a différents professionnels qui sont interpellés, mais où les enfants peuvent aussi aller voir directement ou l'infirmière ou l'assistante sociale ou demander un rendez-vous au psychologue de l'éducation nationale. Mais c'est assez rare. En général, c'est plutôt les surveillants, les agents aussi qui nous signalent un certain nombre de situations. Et nous, on va demander aux enfants, on va les auditionner, les écouter et pouvoir mesurer et les orienter ensuite vers des personnels qui sont plus spécialisés, plus qualifiés, y compris après en interpellant les parents et en conseillant une prise en charge à l'extérieur. En proposant éventuellement une médiation, hein, dont parlait M. Bermond, dans des cas un peu plus sévères, pas toujours du harcèlement, hein, mais on a pu mettre en œuvre des médiations. Une médiation qui est mise en place uniquement avec l'accord des familles. Hein. On ne peut pas faire une médiation avec la gendarmerie si on n'a pas l'accord des familles elles-mêmes.
Et par contre, ben, les professionnels internes de l'éducation nationale sont tous amenés, avec ou sans l'autorisation des parents, hein, il faut le savoir, à pouvoir entendre les paroles des enfants, donc l'infirmière, la CPE, l'assistante sociale et le psychologue éducation nationale. Madame Lefebvre, excusez-moi, je vous coupe juste parce que j'aimerais qu'on aborde vite fait, hein, quitte à revenir dessus après. Une grande partie de notre public va devoir rentrer du coup au lycée parce qu'ils sont contraints par des niveaux horaires. J'aimerais qu'on aborde vite fait la partie sexting, pour le coup sur la partie cyberharcèlement. Comme on a un public qui est assez jeune, ça les concerne en priorité. Donc comme ils vont nous quitter, ils ne vont pas visionner directement sur Facebook après derrière. Sexting, du coup, est-ce que vous savez ce que c'est? Pas du tout. Les plus jeunes, non? En gros, c'est une contraction de sexe et de texting. En gros, c'est l'envoi de fichiers, qu'ils soient photos ou vidéos, dénudés à son petit copain ou à sa petite copine. Donc, ça prête toujours malheureusement à sourire, mais c'est un phénomène qui est en train d'exploser. On a l'impression, quand on a 14, 15, 16, 17 ans, de vivre le grand amour. Le grand amour, on le vit, c'est l'amour de ma vie. T'inquiète pas, tu peux me donner des photos de toi ou on peut se filmer, je ne vais pas diffuser et ça restera entre nous. Sauf que malheureusement, 3 fois sur 4, pour ne pas dire 4 fois sur 4, l'amour ne dure pas toute la vie. Et quelques semaines après, on se retrouve avec des photos ou des vidéos de jeunes qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, qui sont partagées, qui sont likées et qui détruisent la vie des jeunes. Donc, c'est un phénomène qu'on rencontre de plus en plus. On prend des plaintes très régulièrement. Donc, sachez pour info que ce type, par contre de fait, on n'est plus du tout sur du harcèlement. On ouvre une procédure judiciaire. Et si c'est diffusé derrière, donc celui qui a diffusé la première fois, évidemment, c'est répréhensible, mais celui qui aura liké derrière sera aussi entendu à la gendarmerie. Ça reste une infraction pour le coup, tous ceux qui vont liker derrière. Donc je laisserai la MPF en parler un peu plus après, mais votre corps vous appartient. Vous n'allez pas penser, parce que vous avez un amour à 14-15 ans, qu'on peut tout faire, qu'on peut tout filmer, qu'on peut se prendre en photo dans n'importe quelle tenue, qu'on peut envoyer à son petit copain qui vous promet, qui vous jure qu'il ne va jamais la diffuser à personne. Oui, c'est valable pour les garçons aussi, pour le coup. Et on a des situations, y compris sur le secteur, où ce type de phénomène se passe directement dans les établissements scolaires. Donc, on parlait tout à l'heure des téléphones qui rentrent dans les établissements. Et il y a des photos, des fois, ou des vidéos qui sont prises à l'intérieur de l'établissement et qui sont dénudées, voire plus. Donc, attention, attention, attention. Votre corps vous appartient, ne le partagez pas au risque derrière que ce soit diffusé. Donc, l'MPF, du coup, c'est possible. Alors, faites attention, en fait, quand on parle de sexe, sexting, c'est ce que vous appelez, vous, le nude. Hein, souvent, c'est plutôt le terme que vous utilisez. Alors, quelquefois, même si ce n'est pas une photo de nude, attention aussi. Alors, ce n'est pas forcément toujours les petits copains. Hein, ça peut être juste des photos échangées avec une amie, un copain, tout simplement. Mais faites attention surtout que même si c'est pas, si c'est une photo juste intime, sans être déshabillée, peut s'en suivre ensuite ce qu'on appelle du chantage. C'est-à-dire en vous disant, voilà, j'ai une photo de toi, je peux simplement diffuser cette photo de toi et te donner une très mauvaise réputation. En échange, si tu veux pas, ben je te demande de m'envoyer des photos de toi déshabillée. Donc faites attention, en fait, même si vous n'avez pas diffusé de photos, vous n'avez jamais donné de nude, mais que vous avez un jour partagé une photo un peu intime et que la personne essaye de détruire votre réputation, peut s'en suivre surtout du chantage. Ne répondez jamais à un chantage. Immédiatement, en fait, toujours pareil, vous en parlez à vos parents, c'est très important. Sachez quand même que si même un jour ça vous est arrivé de diffuser une photo intime, cette photo, une photo un peu de vous, un peu qui vous défavorise, sachez que vous pouvez, en téléphonant au 3018, cette photo peut être supprimée immédiatement, d'accord, par cette plateforme. C'est e-enfance. Donc, vous avez au téléphone, vous pouvez avoir des psychologues, vous avez des personnes, mais vous pouvez demander, du moins, en fait, ça peut être vous, mais ça peut être vos parents, de supprimer la vidéo. Et effectivement, chose, ils peuvent la supprimer très rapidement dans la journée.
Il faut savoir qu'il y a aussi le site jeprotegemonenfant.gouv.fr et point de contact qui peut aussi supprimer ce genre de photos ou de vidéos vous concernant. Donc, il ne faut pas hésiter. Sachez que la gendarmerie, effectivement, il peut y avoir une enquête, sauf que ça peut mettre énormément de temps avant que cette photo cette vidéo soit supprimée. Donc, le 3018, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Alors, je voudrais aussi dire un dernier mot à part le sexting. Faites attention aussi à la cyberviolence. On a de plus en plus de phénomènes de cyberviolence chez les plus jeunes. C'est-à-dire, c'est le petit copain ou la petite copine qui vous demande chaque 5 minutes au téléphone, par SMS, « Mais tu es où? Tu es avec qui? Tu fais quoi ?» ça s'appelle la cyberviolence, d'accord ? C'est interdit aussi par la loi et ça fait partie des violences conjugales. Donc, même si on n'est pas marié, même si on n'est pas en couple, mais qu'on a juste un petit copain, une petite copine, la cyberviolence existe et elle est répréhensible. Elle ne doit pas, il faut réagir là aussi très rapidement. Il ne faut pas laisser la cyberviolence s'installer. J'aurais tendance à dire, oui, que la problématique de la cyberviolence, elle est de plus en plus répandue. On a tendance à la banaliser chez les jeunes, chez les lycéens, par exemple. Oui, vous êtes peut-être en couple, mais l'autre n'a pas le pouvoir sur vous. Il n'a pas le droit de vous demander des photos ou des vidéos intimes. Il est peu probable, je ne le souhaite pas, mais il est peu probable que vous fassiez votre vie avec et que souvent, quand on se sépare, ça ne se passe pas bien. Et que ça peut être l'objet de vengeance. Voilà, c'est ce qu'on appelle aussi le revenge porn. Utiliser des images à caractère plus ou moins dénudé ou sexuel comme moyen de pression, comme moyen de vengeance. Donc, personne n'a le droit de vous demander ce genre de choses. Et je pars du principe que quelqu'un qui vous demande ce genre de vidéos ou de photos ne vous respectera jamais. Parce que c'est, dans un couple, ce n'est pas quelque chose, une relation intime, une relation personnelle ne passe pas par ce biais-là. Ce n'est pas une preuve d'amour que d'envoyer une photo de soi en petite tenue ou complètement dénudée. Donc attention, parce que ça, c'est un piège. Et en plus, comme pour Internet, il n'y a pas de prescription. Cette photo, elle peut durer très longtemps, elle peut durer très longtemps sur Internet. Et elle peut aussi se retrouver sur bon nombre d'autres téléphones portables. Elle peut être largement diffusée. Alors, en fait, la dernière chose, et on va vous passer une petite vidéo sur ce qui peut se passer sur Internet. Sachez qu'à l'heure actuelle, les mauvaises rencontres que l'on peut faire, donc ce petit spot, c'est la mauvaise rencontre que l'on a créée, qui est accessible sur YouTube. Sachez que c'est de plus en plus des jeunes qui sont contactés par les réseaux Instagram, Snapchat, TikTok, d'accord ? Des personnes, des adultes d'un certain âge qui se font passer pour des jeunes de votre âge et qui essayent de rentrer en contact. Nous, dans notre travail, malheureusement, on est amené souvent à entendre, on a entendu dernièrement une enfant, pas une adolescente, une enfant qui a commencé à communiquer sur Snapchat avec une personne. Et cette personne, c'était tout simplement un pédophile. D'accord. Il lui a demandé des photos de nude. C'était une toute petite fille. Elle l'a fait. D'accord. Donc, sachez qu'à l'heure actuelle, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de personnes mal intentionnées qui sont sur les réseaux et qui vont essayer de rentrer en contact avec les enfants par le biais des réseaux sociaux. Alors, tous les réseaux sociaux ou même les jeux vidéo, bien sûr. Donc, on va vous passer la petite vidéo, une petite vidéo. La mauvaise rencontre. Salut, ça va? Oui, toi? Oui. Tu fais quoi ce soir? Je vais au cinéma avec des potes, tu veux venir? Quand avec tes potes, je suis en vrai, mais avec tous les deux. Je t'intéresse jamais à moi. De toute façon, tu fais toujours la tête. Je m'en veux. Je trouverai quelqu'un qui, lui, s'intéressera à moi. Ouais, c'est ça, dégage.
Salut, je suis dans ton collège, on peut discuter ? Donc c'est le samedi 13 mai à 18h, suivi d'un débat, et ensuite le lundi 15 à 20h30, et qu'en dehors des structures qui sont à l'écoute, la gendarmerie et puis tous les autres services qui peuvent exister, le collège, l'école, à Pézenas, il y a aussi deux autres structures auxquelles les gens peuvent ne pas penser au prime abord. Mais vous avez une maison de la justice et du droit qui vient d'être ouverte, et vous avez aussi le centre social qui est prêt à écouter. Voilà. Ouais, je voudrais juste rajouter une précision par rapport à votre question, madame. Là. Bien sûr, il y a effectivement le lien direct avec l'école ou le collège quand il y a un problème suspecté, enfin, on suspecte du harcèlement. Donc ça, c'est vous êtes reçu directement par l'école ou le collège. Il faut savoir aussi que vous avez un numéro vert qui est le 3020. Et dans mon service, j'ai une personne qui réceptionne les appels. Donc c'est par le biais, parce que souvent on n'ose pas ou pour différentes raisons, on ne veut pas aller directement signaler que son enfant est victime. Donc, il y a ce biais-là, donc le 30-20. Donc, ma collègue reçoit l'appel. Bien sûr, écoute. Il y a une fiche. Donc, elle demande un certain nombre d'éléments. Pour, encore une fois, plus du factuel. Voilà, la situation, les noms, etc. Et donc, pour mieux comprendre la situation. Et ensuite, cette fiche est adressée directement. Il faut savoir, dans chaque département, il y a un référent départemental harcèlement, donc il y en a un dans l'Hérault. Donc cette fiche lui est adressée et c'est lui ensuite après qui va prendre directement attache avec l'établissement ou l'école et qui est chargé avec bien sûr l'établissement ou l'école de pouvoir apporter une solution et de régler cette situation. Donc il y a ce biais-là. Et puis vous avez aussi un autre biais d'information au-delà du traitement. Vous avez un site du ministère qui s'appelle education.gouv.fr non harcèlement, vous pouvez y aller, qui est très bien fait. Vous avez un certain nombre de réponses si vous êtes parent, si vous êtes professionnel, sur qu'est-ce que je peux faire si mon enfant est victime ou si mon enfant est témoin ou si mon enfant est auteur. Donc vous avez aussi une source d'information pour vous. Et juste dernier point pour la formation, il faut savoir que là vous pouvez aussi aller sur internet pour mieux vous informer sur ce que je vais dire. Vous avez depuis deux ans, donc depuis l'année dernière, bon, après il y a eu le contexte sanitaire où il y a eu bien sûr un obstacle pour la mise en place réelle, mais vous avez un programme de prévention, de lutte contre le harcèlement au milieu scolaire, qui est le programme PHARE, PHARE, P-H-A-R-E. Et vous avez donc un vivier de formateurs académiques qui ont été formés par des professionnels, dont dans mon service, on a deux collègues qui sont formatrices académiques et qui sont chargées d'aller dans les établissements, collèges ou écoles. Alors, dans les écoles, on forme plutôt les équipes de circonscription, l'inspecteur de circonscription et les conseillers pédagogiques. À charge après, dans les écoles, je parle des écoles, de former une équipe bien-être, donc une équipe en fonction, bien sûr, des effectifs de l'école, de quelques personnes, parce qu'ils ont été formés à une méthode particulière, qui est une méthode qui vient des pays scandinaves, ou des pays canadiens qui sont toujours très en avance sur nous. C'est comme ça. Surtout qu'ils la développent depuis très longtemps. Nous, on découvre cette méthode, qui s'appelle la méthode PICAS, mais qu'on a déclinée au niveau éducation nationale en France. C'est la méthode de préoccupation partagée. Donc, ils sont formés à cette méthode-là, qui l'intérêt, c'est de pouvoir agir en amont, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans la phase d'intimidation, et de pouvoir, à partir simplement d'un constat ou d'une observation, de pouvoir à la fois agir par des micro-entretiens auprès des élèves pour mieux comprendre ce qui se passe. Et donc là, on met en avant, bien sûr, on n'écarte pas l'auteur, donc l'auteur comme la victime, ou les témoins sont concernés par cette méthode-là. Le but, c'est que faire prendre conscience aux élèves, ou plutôt que ce qui est en train de se passer pour un élève doit s'arrêter. Donc c'est une méthode, donc ça se met en place. Donc il y a tout un programme de formation sur plusieurs années. Les collèges aussi sont concernés, donc il y a aussi
une volonté de former aussi les personnes, voilà, et les personnels et professionnels à la prévention contre le harcèlement. Salut, ça va? Oui, toi? Oui. Tu fais quoi ce soir? Je vais au cinéma avec des potes, tu veux venir? Quand avec tes potes, je suis heureux qu'on a que tous les deux. Je t'intéresse jamais à moi. De toute façon, tu fais toujours la tête. Je m'en veux. Je trouverai quelqu'un qui, lui, s'intéressera à moi. Ouais, c'est ça, dégage. Salut, je suis dans ton collège, on peut discuter? Oui, pourquoi pas. Tu es en quelle classe? Je suis en troisième, et toi? Je suis en quatrième. Parle-moi un peu de toi. Tu sais, je suis une fille banale. Je suis sûr que non, pourquoi tu dis ça? Je me suis disputée avec mon copain. Il est égoïste, il fait même pas attention à moi. Il préfère être avec ses potes plutôt qu'être avec moi. Y'a vraiment des gars qui savent pas la chance qu'ils ont d'avoir une copine comme toi. T'es trop sympa. Moi j'aimerais te connaître un peu plus. Envoie-moi une photo de toi. Envoie-moi une photo. T'es trop belle, il est vraiment con ton copain. Moi si j'étais avec toi, ben je te laisserais pas tomber par des potes. C'est trop mignon. Envoie-moi une photo de toi aussi. T'es trop beau. Toi aussi t'es superbe sur la photo, même si t'as pas l'air très sexy. Ah bon? Tu ne trouves pas sexy? Et là? Qu'est-ce que t'as fait? Rien, pourquoi? T'as vraiment aucune pudeur, tu te respectes pas? Aucune pudeur, moi. S'il y en a une qui se respecte ici, c'est moi. Pourquoi tu dis ça? Et ça, c'est quoi? Une photo envoyée est une photo qui peut vous échapper. Voilà, c'est un spot qu'on a réalisé il y a quelques années avec une école multimédia de Saint-Jean-de-Védas. C'est un support qu'on utilise toujours actuellement en collège avec les classes de 5e. Voilà. Et en fait, on démarre l'action de prévention en interaction avec les élèves. On commence par la photo finale, en fin de compte. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelle est leur interprétation de l'image qu'ils voient. Et on part vraiment dans toutes les directions. Parce que la photo suggère beaucoup de choses. Le message, le commentaire suggère d'autres choses qui viennent influencer, parasiter l'image. Ce qui est important, c'est de décortiquer, on décortique cette image, et après on la remet dans le contexte pour dire, voilà, comment on en est arrivé là, comment on en est arrivé à cette fameuse photo qui va être largement diffusée et interprétée de différentes manières. Moi, le message que je dis aux jeunes, c'est une photo, on peut faire dire une photo tout ce qu'on veut. Voilà. On peut déformer le discours. Un commentaire peut facilement influencer la perception de l'image, de ce qu'elle représente. Il n'y a aucun caractère sexuel sur la photo. Par contre, dans les commentaires faits par les collégiens, on y est largement. Pour eux, c'est ouais, ben, je peux lui demander éventuellement un nude. Envoie-moi une photo de toi, je veux en voir plus. Voilà. Le commentaire vient parasiter, vient influencer le discours, mais voilà, dans l'imaginaire de tout être humain, ben voilà, on peut, eux s'imaginent facilement que
C'est une jeune fille à qui on peut tout demander parce que c'est entre guillemets une fille facile. C'est le commentaire qui est sur la photo. Et que sous prétexte que ce soit cette réputation qu'on a construite toute pièce, eh ben on peut demander absolument tout. Et c'est comme ça qu'on aboutit sur du cyberharcèlement. Oui, donc, ce qu'il faut bien comprendre au niveau du harcèlement scolaire, au niveau du cyberharcèlement, c'est que l'ancienne génération dont je fais partie, je dirais pas malheureusement, mais bon, pas loin, l'élève rentrait dans l'établissement scolaire. Il était harcelé de 8h à 17h. Le soir, il rentrait chez lui. Il avait la protection de ses parents. Le week-end, il n'allait pas à l'école. Les jours fériés, c'était pareil. Et pendant les vacances scolaires, il était tranquillement chez lui. Avec l'apparition des réseaux sociaux, il faut bien comprendre que le harcèlement, c'est H24, 365 jours par an. Donc, c'est pour ça que le législateur a créé le harcèlement scolaire. D'ailleurs, ce n'est pas très vieux. Et il faut bien faire attention au téléphone comme portable, aux réseaux sociaux, à l'utilisation, comme vous disiez, monsieur, lors de votre question tout à l'heure, on a bien compris. C'est pas facile, mais il faut surveiller les réseaux sociaux de ses enfants. Et bien sûr, il faut arrêter de banaliser le like. Liker, c'est déjà harceler. Comme disait tout à l'heure l'adjudant-chef à la brigade à MPF, lorsque vous avez un propos désobligeant, dégradant, qui vous est visé, et que l'élève, lorsque le matin, il se lève, il allume son réseau social, et qu'il voit un propos dégradant le concernant, en effet, c'est pas cool, c'est pas sympa. Ça le touche intérieurement. Mais ce qui va le toucher d'autant plus, c'est le nombre de likes qu'il a. Parce que liker un propos dégradant, une photo qui peut être dégradante, liker, c'est harceler. Voilà. Donc, il faut réellement faire attention à ce que mettent nos enfants, nos jeunes, sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, juste une petite précision. Donc, le cyberharcèlement, en fait, on a dévié tout naturellement dessus parce qu'en fait, le harcèlement scolaire, maintenant, malheureusement, est lié au cyberharcèlement derrière, sachant que le cyberharcèlement, c'est une infraction à part entière par rapport au harcèlement scolaire. Donc, c'est une infraction de harcèlement qui est commise via les réseaux sociaux. Donc, ce qui distingue, en fait, ces deux infractions, je reprends la casquette gendarme, c'est une diffusion massive instantanée à un très large public via les réseaux sociaux ou via des sites Internet. Le harcèlement, ce que disait Fabrice, qui se commet à l'école, se prolonge au domicile H24. Et particularité du harcèlement, cyberharcèlement, c'est que l'auteur, en fait, il peut rester anonyme. Donc, l'auteur, quand il harcèle une autre personne sur les réseaux, il se fait donner un pseudo et des fois, il se dit « je n'ai pas mis mon nom, je n'ai pas mis mon prénom, on ne saura pas qui je suis. Donc, je suis anonyme et je peux balancer plein d'informations sur les réseaux, je ne risque rien. Oui, mais non. Donc, on arrive quand même à retrouver les gens qui harcèlent via les réseaux sociaux. Et une petite précision, on parle beaucoup de réseaux sociaux, mais soyez vigilants aussi avec les enfants parce que tout ne se fait pas sur le TikTok, parce que Facebook, maintenant, c'est un petit peu has-been. C'est pas forcément ce qu'utilisent les jeunes à l'heure actuelle. Je suis concerné, j'ai des enfants, hein, donc je sais qu'il y a des enfants qui jouent à Roblox, il y a des enfants qui jouent à Fortnite, et en fait, il y a des salons de discussion dessus ou pendant qu'ils jouent, mais c'est pareil, le harcèlement ou les échanges peuvent être commis aussi sur ces forums de jeux. Donc, soyez vigilants aussi là-dessus quand vous mettez des enfants sur les jeux à surveiller un petit peu quand même ce qu'ils font. Donc, comme disait tout à l'heure Philippe, le premier filtre, c'est les parents. Le filtre parental, ça reste les parents. Ils sont là pour apprendre à l'enfant à utiliser l'outil télécommunication. Un sujet qu'on n'a pas du tout abordé, du coup, mais ce qui était intéressant au niveau psychologie, c'est comment est-ce qu'on peut détecter peut-être un enfant qui subirait du harcèlement à l'école. Je vais laisser la parole, du coup, au psychologue de France Vie, si ça ne vous dérange pas. Ouais. Parce qu'on n'a pas du tout abordé ce sujet-là, comment on peut détecter en tant que parent que son enfant subit peut-être du harcèlement à l'école, qu'il n'y en a pas forcément à en parler. Alors, j'ai envie de dire que toute forme de changement sera déjà un signal d'alerte. En tout cas, on peut porter notre vigilance sur le comportement de notre enfant, sur son sommeil, sur son alimentation, toutes ses habitudes, en fait. Dès qu'on peut percevoir un changement chez lui, il est intéressant de se questionner et de le questionner
qu'il s'agisse de harcèlement ou d'autres choses d'ailleurs. Mais pour ce qui est du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement, dans les symptômes qu'on va avoir, donc il y a des symptômes qui vont toucher en fait toute la sphère de la santé même, donc au niveau du sommeil, avec des troubles du sommeil, des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes, des cauchemars. On peut avoir également des troubles au niveau de l'alimentation, soit des personnes qui vont se réfugier dans la nourriture. On parle souvent de boulimie, mais sans que ce soit forcément de la boulimie. Manger très sucré le soir avant d'aller se coucher, c'est souvent réconfortant, mais c'est quand même alertant. Et puis, il y a également des enfants, des adolescents et même des adultes qui vont au contraire sauter des repas, avoir une perte d'appétit. Donc c'est aussi des signaux qui peuvent nous alerter. Chez les jeunes filles, il peut y avoir aussi des aménorrhées. Donc c'est aussi un signe alertant sur un mal-être. Il y a aussi le symptôme d'hypervigilance. Donc comme son nom l'indique, c'est quand on est très vigilant à tout ce qui se passe. Donc quand on est par exemple à l'école ou quand on se rend à l'école ou quand on regarde son téléphone plusieurs fois par jour, c'est un signe, ça peut être un signe d'hypervigilance, ça peut être aussi tout à fait normal. Mais le fait de se balader en cours et de constamment scruter son environnement, de se retourner sans cesse pour voir ce qui se passe, de sursauter, c'est de l'hypervigilance. Donc c'est quand une personne peut se sentir en insécurité et donc va porter une attention bien plus accrue en fait à son environnement, aux personnes qu'elle connaît, qu'elle ne connaît pas. Dans le cyberharcèlement, il y a notamment des personnes qui peuvent cyberharceler quelqu'un de façon anonyme. Dans ces cas-là, c'est d'autant plus effrayant pour les jeunes puisqu'ils ne savent pas qui les harcèle. Est-ce que c'est un camarade? Est-ce que c'est une personne inconnue? Donc l'hypervigilance s'en ressent aussi, notamment quand la personne va en cours. Est-ce que c'est mon ami? Est-ce que c'est mon meilleur ami? On parlait tout à l'heure des revenge porn, donc des nudes. Il y a aussi des amis, en fait, hein, qui, même des meilleurs amis, qui peuvent transmettre ces nudes-là. Donc l'enfant peut être dans cette peur-là constante. Après, je réfléchis à d'autres symptômes. Bon, il y a ce qu'on connaît, hein, tout ce qui est mutilation ou conduite de mise en danger, recherche de toxiques, etc. Bon, c'est quand même des situations plus inquiétantes. Quelque chose auquel on pense moins, on parlait tout à l'heure de réputation. À partir du moment où une réputation est véhiculée dans l'établissement scolaire ou au sein d'un groupe d'amis, il arrive que le jeune vienne à s'identifier à cette réputation-là et à coller à cette image-là. C'est aussi important à prendre en considération puisque du coup l'enfant ou l'adolescent va du coup avoir des comportements qui viennent renforcer cette image. Et le problème c'est qu'on se construit à travers l'image, à travers les autres, et si les autres disent qu'on est de telle ou telle manière, on va penser qu'on l'est et donc renforcer ce comportement. Au niveau du comportement, il peut y avoir aussi une forme d'auto-agressivité. Donc, je parlais de scarification, mais il y a aussi tout ce qui est hétéro-agressivité. Donc, le fait d'être plus irritable ou dans le comportement de se replier, de s'isoler, d'avoir moins envie de sortir, moins envie d'apprendre, moins envie de s'investir dans les cours. On parle souvent de diminution des notes scolaires. Quand l'enfant ou l'adolescent se réfugie dans les cours, c'est aussi quelque chose qui peut nous alerter. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout dramatiser, mais il y a aussi beaucoup d'enfants qui vont en fait se réfugier dans les cours et dans les études. Donc c'est plutôt valorisant. Pour le coup, ça vient valoriser l'image de ce jeune-là. Mais ça peut aussi être un signe inquiétant si on voit qu'il vient s'investir de plus en plus dans les cours au détriment de sa vie sociale, par exemple. Il pourrait y avoir plein d'autres symptômes, mais ce qui importe, c'est vraiment de pouvoir observer son enfant, son camarade aussi. On parlait de témoins, on peut parler de camarades, non ? On peut nous-mêmes constater des changements chez nos amis, nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines. On peut tous être attentifs à ça. Et j'aimerais mettre l'accent aussi sur la parole de l'enfant. On disait
tout à l'heure qu'il faut que l'enfant parle, qu'il faut qu'il puisse s'exprimer. Bien sûr, c'est important. Mais je pense qu'on oublie aussi à quel point ça peut être difficile, en fait, pour un enfant, pour un adolescent, de s'exprimer, d'aller vers un adulte et de dire ce qui se passe. On peut culpabiliser, on peut avoir honte, c'est ce qu'on peut voir aussi dans cette vidéo. Où cette jeune arrive et se rend compte que tout le monde a vu une photo d'elle et commente de choses diverses. On peut imaginer que cette jeune, elle a honte, déjà dans un premier temps, elle s'en veut d'avoir fait ça, elle se sent coupable de ça, et c'est tous les enjeux en fait, dans la violence et dans le harcèlement et le cyberharcèlement. On peut avoir honte d'en parler, on peut avoir honte de dire à son parent qu'on a partagé une photo un peu dénudée, on peut avoir honte de dire que oui, on n'a pas écouté les règles et qu'en fait on est allé sur des sites ou qu'on a rencontré des personnes qu'il ne fallait pas rencontrer. Et puis, on a peur aussi, peur à la fois d'inquiéter son parent. J'entends beaucoup de jeunes dire « je ne peux pas le dire à mon parent parce que il ne va pas bien ». Donc l'enfant peut être dans cette démarche-là de vouloir protéger son parent au détriment de lui-même. Et donc il y a cette première inquiétude, cette première peur de volonté de protéger l'entourage. Il y a aussi la crainte de représailles. Donc si je le dis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je me sens suffisamment en sécurité et protégée pour pouvoir le dire? Voilà, beaucoup d'enjeux. Donc c'est très difficile pour le jeune de pouvoir parler. Donc ce qui est important, bien sûr, c'est qu'il parle, mais c'est aussi et surtout, je pense, qu'on l'écoute avec bienveillance, qu'on l'écoute sans banaliser, que pour nous, ça paraisse être du harcèlement ou pas. Je pense que c'est important de lui demander ce que c'est pour lui. Est-ce que pour lui, c'est un comportement qui est normal ou pas? Comment est-ce qu'il se sent? Est-ce qu'il a envie de maintenir ce comportement, cette relation? Est-ce qu'il a envie de mettre de la distance? Comment est-ce qu'on peut l'accompagner dans cette distance-là? Voilà. Donc c'est important de croire cet enfant-là dans ce qu'il vit, puisque s'il a la force et le courage de le partager, c'est que c'est suffisamment important pour lui. Donc, on ne banalise pas, on l'écoute, on accueille. Et puis, quand on est enfant et qu'on ne se sent pas écouté, c'est important de changer d'interlocuteur. Des fois, les adultes, on va très vite. On a plein de choses à penser, on n'a pas le temps. On se rend compte après qu'on aurait pu prendre ce temps-là. Donc, il ne faut pas hésiter à changer d'interlocuteur si on ne se sent pas compris, écouté, respecter dans ce qu'on dit et c'est important de demander à l'enfant aussi ce qu'il vit dans ça et si pour lui c'est normal ou pas. Voilà, c'est important pour moi de faire un point là-dessus. S'il vous plaît. Ah, avant de conclure, Excusez-moi. Je voulais vous poser une question sur l'harcèlement extrascolaire, c'est-à-dire centre aéré, dans la rue, colonie. Alors, des primaires, bien sûr, mais c'est répétitif. À chaque fois qu'ils se voient, c'est un gros problème. Seulement, ils vont se rencontrer au collège. Donc, j'aurais voulu savoir, Madame Lefèvre, ce que vous pourriez me dire là-dessus, ce que vous allez faire pour rassurer les parents, mais rassurer l'enfant. Et Madame Hérault, excusez-moi, si vous pouvez prendre en charge les parents et l'enfant. Là, pour l'instant, c'est vraiment extrascolaire. Hein. Rien ne se passe dans l'établissement. Alors, mais il y aura un collège. On peut intervenir sur des situations qui n'ont pas forcément lieu, et notamment dans le cyberharcèlement, en dehors de l'établissement. Si ce que vous pensez, ça va être qu'on va prononcer obligatoirement des sanctions, et souvent les parents pensent aussi à des exclusions d'établissement ou à des changements d'établissement, c'est pas... D'accord, ok. Je préfère le dire parce que c'est souvent la question. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire, vous, oui, pour rassurer les parents, mais rassurer l'enfant qui va aller au collège avec la boule au ventre? D'accord, donc il faut qu'on soit prévenu. Mm-hmm. Pour que nos personnels soient particulièrement vigilants aux relations qui s'instaurent et donc à surveiller un petit peu plus ce qui se passe et pouvoir
vous rendre compte d'un certain nombre de choses, hein, si, en fonction de la situation que vous nous expliquez, et mettre en place aussi une prise en charge de suivi et d'écoute particulière. Mais il n'y a pas de réponse, toute faite, mais après Juste par rapport à votre question, donc c'est une situation extrascolaire. Pour l'instant, c'est extrascolaire. D'accord. C'est dans le centre aéré, d'accord, dans la donc, rue, faut savoir, en colonie. Juste une, voilà. Si c'est dans une situation extrascolaire, là, les parents de l'élève victime, d'accord, qui pensent ou qui pensent que leur enfant est harcelé dans au centre aéré ou dans une colonie de vacances, c'est bien ça? Oui, pour l'instant. D'accord, non, mais j'essaye de... Vous avez, en tant que parents, ils sont responsables de leur enfant, ils constatent que leur enfant peut être potentiellement victime. Il y a donc, c'est inscrit dans le code pénal. Nous, on conseille fortement de déposer plainte. Et c'est pas, non, personnellement, ce n'est pas au collège, ensuite, après, d'essayer de régler la situation. Si ça s'est passé dans un autre lieu qu'établissement, et là, je m'adresse aux gendarmes. Il y a, et souvent pour vraiment savoir que leur enfant est harcelé, pour ensuite avoir les faits, il faut que les parents de l'élève victime aillent déposer plainte auprès de la gendarmerie, qui ensuite après fera le lien pour mener l'enquête et vraiment s'avérer si il y a des responsabilités ou pas. Enfin, moi, c'est le conseil. Après, sur cette question-là, je laisse la parole au capitaine Séguier, mais je ne pense pas que c'est au collège de ensuite recevoir les parents, essayer de comprendre. Si ça s'est passé dans un autre cadre que le collège, c'est pour ça que nous, on donc propose... Donc, en fait, vous dites de régler le oui, problème... Oui, que le collège soit prévu, et que, prévenu, au collège, oui. Il n'y aura plus de problème. Mais que le collège soit prévenu, oui, mais il y a, dans cette situation de harcèlement, il y a un moment, un autre, une démarche à faire vers la gendarmerie, enfin... Que voilà, c'est ou que le directeur du centre aéré soit prévenu au même titre que le principal du collège, que les parents aillent le voir et que vous voyez ce que je veux dire. Mais à un moment ou à un autre, c'est ce qu'on dit nous très souvent à des parents qui tout de suite pensent au harcèlement. Pour être sûr que c'est avéré, s'ils sont sûrs, à un moment il y a effectivement la procédure gendarmerie où là on dépose plainte et ensuite après on voit réellement si effectivement une enquête sera menée, quels seront les faits et qu'est-ce qui s'est réellement passé. Voilà, c'est. À mon avis, c'est le conseil que je peux vous donner. Mais après, le capitaine Séguier peut donner aussi un autre avis. J'ai peut-être pas du coup été assez précis. Donc, le harcèlement scolaire, c'est une infraction qui a été créée en 2022. Par contre, le harcèlement classique, qui n'est pas forcément lié au milieu scolaire, existe quand même. Donc, s'il y a du harcèlement commis à l'extérieur de l'établissement scolaire avant de rentrer au collège, il n'y a aucune difficulté pour venir à la brigade ou signaler les faits. On verra s'ils sont avérés ou pas. Il n'y a rien qui exclut non plus de réunir tout le monde, toutes les parties, sans forcément un dépôt de plainte derrière, avec les parents adverses, entre guillemets. Et on voit si on règle le problème ou pas. S'il faut aller plus loin, on a un dépôt de plainte et on poursuit l'enquête. Il n'y a aucune difficulté. J'aurais tendance à dire, essayer de régler le problème avant de rentrer au collège. Parce que sinon, ça va être encore pire pour le coup, donc pour l'enfant. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. De toute façon, on est... C'est pas parce que c'est un référent scolaire qui s'occupe que du scolaire. Donc on a des professionnels de gestion avec les enfants, on a des conflits, tout ça, et 9 fois sur 10, ça rentre dans l'ordre après derrière. Ça officialise un petit peu le côté, c'est un côté solennel quand on vient à la gendarmerie. Ça peut être traumatisant, mais c'est quand même solennel. Donc du coup, généralement, quand on fait des petits rappels à l'ordre aux enfants qui ont 12, 13 ou 11 ans, ça se passe très bien. Pour le coup, ils comprennent de suite qu'ils font du mal à l'autre. Et ça s'arrête, et au collège, et du coup, ça n'a même pas lieu d'être. Les réglementations dans les centres de loisirs et colonies sont exactement les mêmes. Ils s'appliquent sur la loi et la loi n'autorise pas le harcèlement. Et puis moi, je suis d'accord, effectivement, il ne faut pas attendre l'entrée au collège parce qu'en attendant, il faut penser en fait au petit garçon ou à la petite fille qui est victime. Il ne faut pas attendre qu'elle rentre au collège pour souffrir. Elle va souffrir encore quelques temps. Donc voilà, il ne faut pas laisser le problème s'ancrer. S'enliser, il faut agir assez rapidement. Il peut, comme je vous disais, souvent le harcèlement, quand il est traité dès le début, voilà, ça s'arrête, on trouve des solutions très facilement, très rapidement. Si on le laisse voilà, s'enliser un petit peu, ça va être plus compliqué. Et puis c'est surtout qu'il y a un enfant qui souffre derrière, et ça, voilà, c'est pas tolérable qu'un enfant souffre de harcèlement.
Après, juste, il faut savoir que justement, c'est pour ça qu'il y a des associations comme France Victimes qui interviennent, puisqu'on intervient de la phase de la pré-plainte, même s'il n'y a pas directement de plainte ou de signalement de fait, et jusqu'à la phase après de l'indemnisation ou d'une potentielle audience ou médiation. Donc, on est là pour vous indiquer vos différents droits, faire un peu le point avec vous pour les différentes infractions qui pourraient être mises en place, mais on est là pour vous accompagner juridiquement dans cette phase-là. Donc pour vous aider à agir et puis à prendre en charge la situation, justement. Et par rapport à la prise en charge psychologique, donc bien sûr, on reçoit les personnes victimes directement, donc l'enfant ou l'adolescent. On peut recevoir également le parent, qui est considéré du coup comme une victime indirecte. Et on peut également recevoir des personnes qui ont été témoins de ces actes de violence-là. On a beaucoup parlé de la victime, mais l'agresseur, la victime, le témoin, le complice, la famille, l'entourage familial de tous ces aspects-là peuvent aussi, bien sûr, traverser de nombreuses émotions, notamment pour les parents, hein, de sentiments d'impuissance, de culpabilité, etc. Donc, on propose un accompagnement pour tous ces acteurs, sauf la personne considérée comme agresseur, puisqu'on est une association d'aide aux victimes. Pour autant, la limite peut être fine aussi entre ces deux-là. La prise en charge est très importante, effectivement, parce qu'il faut savoir qu'il y a des cas d'enfants harcelés qui, plus tard, des fois, deviennent des harceleurs. Ouais. Non, pas automatiquement, mais ça peut, effectivement, ça peut. Je vous propose de regarder un petit clip qui dure 2 minutes pour vous montrer un petit peu que les réseaux sociaux, c'est pas forcément que du mal. Donc c'est le clip numéro 3, du coup, si vous pouvez le passer, ça dure 2 petites minutes. Soirée chez moi. Liste des invités. Toute la quatrième. Vas-y, on est trop chaud. Comment il est trop fort. Le gosse. T'as le style. Qui est le plus paresseux? C'est toi. Tu me fais 18, les gars. Elle est trop forte. T'assures. Ouah, truc de ouf. Voilà, on fait une petite vidéo pour vous dire qu'elle va bien. Remets-toi vite. Ouais. Claire. Le cyberharcèlement, c'est plus compliqué parce que c'est sur des réseaux, donc même quand on n'est plus en cours, l'enfer, il continue. Des messages compromettants, des fois des photos et des demandes assez étranges. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ils ont peur d'allumer leur téléphone et tout. Où je commençais à me cacher derrière quelque chose qui n'est pas moi. Il y a des moments où t'es triste et tu veux plus jamais retourner à l'école. Ça peut complètement déchirer une vie, ça peut pousser au suicide. Ouais, des dépressions, des trucs comme ça. Parce qu'on se sent rabaissé. Je me sentais pas très bien. Des fois, j'avais envie de faire des choses que je devais pas faire. Après, forcément, ça reste dans la tête, donc on peut être traumatisé. C'est ce genre de choses qu'on aime oublier, mais qu'on n'y arrive pas. J'aurais peut-être bien pu ne pas être là aujourd'hui. Du coup, c'est pour ça qu'il faut agir dès qu'on voit quelqu'un qui se fait harceler, on voit qu'il va pas bien. Ce serait quoi un monde idéal sur les réseaux? Faudrait que ça se passe comment? Si on peut éviter les commentaires méchants. Que tout le monde arrête d'insulter tout le monde. Regardez l'intelligence! J'ai eu 18, les gars, 18! Je suis trop fière de moi. En vrai, c'était pas si dur, hein! Je suis trop forte. On soit méchant avec les autres. Que des likes, que des bons commentaires. Même si quelque chose ne plaît pas, tout simplement, on ignore. Beau gosse! T'as le style. Dire des choses positives. Oh, regardez comme il est trop fort! Po! Qui est le plus paresseux? Melvin. Si tu reçois des messages de menaces, faut bloquer la personne. En parler à un adulte pour qu'il puisse aider. Il y a le 3020, c'est un numéro de téléphone pour appeler en cas si on est harcelé ou si on est témoin de harcèlement. Si tout le monde y met du sien, ça pourrait bien se passer sur le réseau. Moi, je les aime bien, mes réseaux sociaux. Trop fort. Tu me fais délirer.
C'est stylé. J'aime trop tes stories. Ça, les gars, c'est le meilleur gâteau du monde. Vous avez assuré. Faisons des réseaux sociaux un endroit qui nous rassemble. En cas de harcèlement, élèves, parents, professionnels, appelez le 3020. Donc pour conclure, du coup, en fait, les réseaux sociaux, ça peut aussi avoir du bon si c'est bien utilisé. Donc, il ne faut pas diaboliser non plus les réseaux sociaux. Ça fait partie de la génération 2023, celle d'avant et celle d'après. Donc, la seule chose à faire pour les enfants, il faut les former, les sensibiliser, être avec eux et pas les lâcher avec des réseaux sociaux dans la main, le téléphone portable. On a tendance, quand on est parent, à vouloir un peu la tranquillité le soir quand on rentre à la maison. Donc la facilité, c'est que je donne la tablette ou le téléphone à mon fils ou à ma fille. Et pendant ce temps-là, je suis tranquille parce qu'il n'y a pas des heures sur les écrans. En fait, ce n'est pas comme ça qu'on apprend à se servir d'un smartphone ou d'une tablette. Voilà. Je ne sais pas si vous avez encore des questions pour le coup. Je voulais revenir sur la prévention au harcèlement scolaire. Pézenas s'est entouré de plein de petits villages. Moi, personnellement, je viens de Castelnau-de-Guers. Vous avez une école de 90 élèves. Du jour au lendemain, lorsqu'ils débarquent dans un collège de 600 élèves, c'est très, très impressionnant. Ça peut même être traumatisant pour certains. Est-ce que vous avez mis en sorte une sorte de protocole pour les préparer à ce passage? Là, effectivement, c'est pour faire en sorte que ça se passe bien. Hein, je reviens un petit peu sur mes propos de départ. On met en place des liaisons entre les écoles primaires et y compris les toutes petites écoles. Il y a plus petit encore que Castelnau-de-Guers, pour qu'ils passent déjà une journée au sein du collège avant de rentrer en sixième pour dédramatiser un certain nombre de choses. Et je vais recevoir la semaine prochaine les parents aussi et la semaine d'après pour travailler sur un certain nombre de choses. Dans les écoles primaires, il peut y avoir aussi des actions de prévention hein, sur le harcèlement. Et nous, on a un programme sur l'ensemble du collège. C'est ce qu'on appelle le parcours citoyen, où il y a un certain nombre de champs qui sont travaillés avec des acteurs extérieurs, mais aussi au sein du collège, avec les professeurs principaux, notamment de 6e, pour qu'ils apprennent à se connaître et pour qu'ils apprennent à travailler ensemble pour justement que chacun ait sa place et qu'il n'y ait pas des relations de domination, parce qu'on n'a pas trop parlé des relations de domination qui existent dans le harcèlement, mais c'est un des éléments importants aussi pour parler de harcèlement. Donc faire en sorte justement de reconnaître la place de chacun et de ne pas laisser à des groupes des occasions de d'être en situation de domination envers les autres. Et ça se travaille au quotidien dans des apprentissages entre pairs qui favorisent plutôt la collaboration plutôt que des relations de compétition. Et c'est des choses qui sont mises en place vraiment à la fois au quotidien et au travers d'actions qui travaillent autour du parcours citoyen. Donc ça peut être à l'occasion d'un film, de lecture d'un livre particulier hein, sur la relation aux autres, sur les apprentissages de la relation affective. Et on le mesure en fonction du stade de développement de l'adolescent. On ne va pas parler des mêmes choses quand ils arrivent en sixième ou quand ils abordent les relations amoureuses. Et là, on parle plutôt... On commence à parler de relations amoureuses à partir de la cinquième, mais on va un petit peu plus loin sur les classes de quatrième et de troisième. Donc, vraiment, c'est en fonction des années de développement. Voilà. Donc, il y a tout un parcours qui est mis en place et qui est travaillé, y compris avec les représentants des parents d'élèves et avec les partenaires, dont M. Bermond, hein, mais ce n'est pas les seuls partenaires avec qui on travaille. On a des associations, y compris les services jeunesse de la mairie de Pézenas. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que tout le monde trouve une place. Et quand ça ne se passe pas bien, surtout, ne pas laisser les choses s'enquister et puis en parler, quoi. Voilà.
pour compléter, donc Castelnau fait partie des 18 communes qui sont sur le secteur de la brigade de Pézenas et on intervient effectivement dans les écoles maintenant en primaire, donc ce que je disais tout à l'heure en CM1 et CM2, soit sous forme d'intervention prévention harcèlement, soit sous forme d'intervention le permis internet, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. On en fait régulièrement, en fait on prépare quand même les plus jeunes, donc 10-11 ans, aux réseaux sociaux, au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement. Donc on a baissé d'un cran, avant ça se faisait essentiellement au niveau du collège, la prévention, on s'est rendu compte qu'effectivement il faut les préparer plus tôt, donc CM1, CM2 c'est la bonne tranche d'âge. Alors on ne s'impose pas dans l'établissement scolaire, mais bon, on a des bonnes relations avec, normalement quand on est invité on vient et on propose de venir, après on ne peut pas forcer la main à l'école, donc Castelnau je ne sais pas si c'était fait, Castelnau, non, je ne crois pas cette année, mais on a fait un permis internet il y a quelques jours à Lézignan-la-Sèbe pour le coup, à Lézignan-l'Évêque pardon. Donc il ne faut pas hésiter à faire remonter via les parents d'élèves s'il y a un besoin, parce que des fois ce rôle-là est pris aussi par la police municipale, donc s'il y a un réel besoin on interviendra avec grand plaisir. Et je vais laisser du coup Nathalie non c'est bon voilà. Voilà, donc la maison de protection des familles, donc vous avez compris, ils sont 6, ils font tout le département de l'Hérault, donc leur mission première c'est quand même de faire de la prévention aussi dans les écoles, donc on les appuie dans cette partie-là, donc souvent le primaire en local c'est nous qui le faisons, donc à part s'il y a vraiment une grosse difficulté ou un gros besoin, donc il ne faut pas hésiter à faire remonter cette demande auprès de l'école. On viendra avec grand plaisir à Castelnau-de-Guers, ça fait partie de notre secteur. D'autres questions? Bon, écoutez, merci à vous. Juste, on n'a pas dit en début de réunion. Donc, la réunion a été diffusée sur Facebook. À partir de demain, si je ne dis pas de bêtises, qu'on m'arrête si je dis des bêtises, hein, ça sera diffusé sur YouTube. Et l'intérêt de l'avoir sur YouTube, c'est qu'il y aura des liens. Donc, tous les fichiers qu'on aurait pu vous montrer ce soir, on a évité de les mettre parce que sinon, on aurait passé moins de temps à échanger. Donc, il y a par exemple une grille, vous irez voir aussi si ça vous intéresse, une grille d'évaluation du danger face au harcèlement aux jeunes. Donc, ça peut être rempli soit par les parents, soit par les enfants. Donc, elle sera à disposition via un lien sur YouTube de la commune. Et en gros, vous pourrez identifier derrière soit votre enfant, soit vous-même, s'il est victime ou pas de harcèlement scolaire. Donc, ça aide à remplir avec des questions assez basiques. Si une grille, on fait une lecture, on ajoute les points après la fin, on voit si effectivement il y a un risque de harcèlement ou pas dessus. Vous retrouverez une plaquette dans la maison de protection des familles avec les numéros utiles, savoir qui contacter en cas de harcèlement, qui contacter en cas de cyberharcèlement. Vous aurez des fichiers, c'est pareil, que faire si je suis face à du harcèlement scolaire, que faire si mon enfant commet du harcèlement scolaire, que faire si je suis victime de harcèlement scolaire. Donc on n'a pas voulu tout vous le montrer parce que sinon ça aurait été imbuvable. Donc demain matin, donc je pense à 8h, enfin, dans la journée de demain, vous pourrez télécharger tous les fichiers utiles. Oui, vous aurez aussi, comme dit Nathalie, des sites pour protéger vos enfants. Donc, il y a des sites qui vous donneront des informations sur le contrôle parental, d'autres sites pour aller chercher de l'information. J'ai parlé tout à l'heure de e-enfance, enfin, e-enfance.org, qui est très bien fait, sur lequel moi, je vais souvent puiser dessus parce que c'est une belle source d'informations. Donc, vous verrez avec ce qu'il faut faire, comment mettre un pare-feu en place, comment mettre un contrôle parental en place sur les consoles de jeux, sur les réseaux sociaux. Donc, vous aurez tous ces liens en fait mis en ligne directement sur la commune, sur le YouTube demain dans la journée. Voilà. Je vais laisser la parole du coup à Madame la Première Adjointe pour clôturer ce débat. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Sachez que la brigade, on est à votre écoute. Si jamais vous avez besoin, il n'y a pas forcément une infraction derrière. Vous avez un doute, n'hésitez pas à venir nous voir. Et la Maison de la Justice et du Droit à Pézenas, c'est pareil. S'il y a un doute, n'hésitez pas à aller les voir. Laissez pas une situation empirer si vous avez un enfant qui est en détresse. Venez nous voir, on vous conseillera, plainte ou pas plainte, mais on saura toujours vous orienter vers la bonne interlocuteur. Madame la Première Adjointe, merci pour... Ben moi, je veux remercier surtout les intervenants, puisqu'ils ont fait un énorme travail d'information et de conseil. Si je devais retenir une ligne directrice, je dirais que déjà, c'est la détection. La détection qui fait qu'après, il peut y avoir une prise de parole et après, trouver des solutions. Bon, ben, des solutions, il y en a, mais voilà, il faut faire confiance et puis s'adresser... pas hésiter à s'adresser à toutes les structures qui existent pour essayer de remédier à ce problème qui prend beaucoup d'ampleur. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.